Okay, nous allons pouvoir commencer bonsoir tout le monde alors ça commence à venir un petit peu le monde qui a là bon mon stream continue de déconner parce que là il m'indique qu'il y a zéro spectateur je te crois pas Je <laughs> vais juste voilà ce gestionnaire de stream je suppose que de ce côté ça indique qu'on est un peu plus nombreux oui oui tout à fait nous sommes euh, où est-ce qu'il est le chiffre je vois pas le chiffre. <laughs> ok, donc euh, le nombre de personnes qui nous regardent ce soir, c'est un mystère pour moi, apparemment. <laughs> Alors. Euh, 26. Ah, oui, oui. Merci pour les retours. Hein, parce que le compteur, là. Ah L'autre, 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 l'autre. Voilà. 22. Voilà, ça commence à indiquer 22. Voilà, ça, ça commence à aller mieux, là. <laughs> Alors, espérons que nous n'aurons pas de problème de la communauté de cette personne. Avec de la chance, ils sont trop débiles pour comprendre le français. Donc, euh, on devrait être tranquille. <laughs> Ah, bonjour, ça fait longtemps. Ouais, bah c'est toi qui viens pas souvent aussi. Hein. Nous, ça fait quelques temps qu'on qu fait, euh... qu fait des, des lives. Hein. 22 comme l'âme de Soul. Euh, ouais. Maintenant que tu le dis, ouais. Je connais pas par cœur le nom de tous les personnages des Disney euh, récents, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis. <laughs> Décidément, je baigne dans Disney en ce moment. Déjà que je dois voir le film Lego Disney Princess versus Gaston Bizarre. Je sais pas ce que. Est-ce que je vais avoir. Ah, c'est euh, un des nouveaux trucs de Lego qu'ils ont fait dernièrement, c'est ça Ouais, euh... pas, je sais pas. Je regarde pas trop les productions direct en vidéo euh, Disney euh, de, de Lego, je veux dire. Euh... Voilà, autant leurs films ils sont intéressants quand ils sont sur grand écran, autant quand ils sont sur euh, direct télé. Eh hein Voilà, <laughs> ça fait euh, longtemps que je suis pas venu sur une télé. Mais bah, euh, bon retour, bon retour, t'en pas pour ça. Ok, donc euh, d'ailleurs Wish dans la catégorie déception en flop, de ce que j'ai compris. Ouais, voilà, déçu, déçu. Ça, ça aurait pu être mieux, franchement. Alors attends, je crois que la caméra commence déjà à flouter. Donc euh, je vais essayer de régler ça. Voilà. Non, non, on va pas là. Voilà, c'est là que tu dois aller. Alors contrôle de la caméra, concentration. Chaque fois tu me le mets en... en automatique, je veux pas que tu me mettes en automatique. Je veux que tu restes là et que tu ne bouges plus. Voilà. Alors, ouais, mais comme j'étais pas abonné, certains de tes lives étaient abo only. Bah non, non, normalement, euh, attends. C'est. C'est euh, quoi cette histoire que c'est Abo Only? Hein. Non, non, c'est euh, tout le monde. Là, j'ai le truc devant, ça dit tout le monde. Il hein. n'y a, a jamais eu de live Abo Only. Exactement, ouais. On n'a jamais fait ça. Pour le moment, hein Peut-être que je ferai ça pour, pour une exclusivité, mais voilà quoi. Alors, ton avis de, euh, sur la trilogie des 60 ans de Doctor Who Eh ben ça fait plaisir de revoir du Doctor Who après euh, quelques années de mai, tu vois. J'étais pas trop fan de la période de Whittaker, donc euh, <coughs> ça fait plaisir de revoir un petit peu... D'énergie, de créativité, de fun dans ce, de Doctor Who, tu vois. Donc, euh, moi, forcément, j'ai beaucoup aimé cette trilogie. Même ouais. le, le premier épisode avec une petite j'ai beaucoup aimé. voilà. Euh, Je crois qu'il y en a qui sont genre, euh, eh, c'est pas ouf comme premier épisode. Moi, au contraire, euh, j'ai trouvé bien fun, moi. Il <laughs> peut a pu y avoir un moment euh, chat bon euh, à un moment. Euh, ouais, bon. Alors, j'ai bien aimé Wish euh, plus que Avalanonia. Mais il y a des faiblesses, ouais. Euh, Valonia, je l'ai toujours pas ga gardé, Faudrait que, que j'y je jette un oeil un jour, voilà. Alors, bonjour, on parle de quoi Eh ben, justement, on va pouvoir repasser un, un petit peu euh, au sujet de... Non, non, c'est pas le beau truc. Voilà, c'est mieux là. Hein on va pouvoir passer à ce con de Matt Walsh. Matt Wash, que certains d'entre vous connaissent probablement pour être le crétin qui s'est fait ridiculiser partout internet pour avoir essayé de trouver un argument scientifique à pourquoi la petite sirène ne peut pas être noire. Oui, il a essayé d'apporter de la science à la discussion sur la, la petite sirène noire. C'est ce genre de débile. C'est un... Euh, je dirais pas que c'est le Eric Zemmour euh, américain parce que Eric Zemmour, tu vois, autant il a un côté euh, monstre qui peut avoir du charme. Là, c'est juste un gros nul chiant qui essaye de, de paraître intelligent et intellectuel. Euh, là, là, vous pouvez voir, vous pouvez voir qu'il a de, de son côté euh, les quelques exemplaires de son bouquin. Qu'est-ce qu'une femme? qui est un gros concentré de transphobie euh, et sexiste, voilà, euh, <laughs> qui, euh, dont, dont vous pouvez voir les seuls exemplaires qu'il a vendus à lui-même. Voilà. <laughs> Là, vous pouvez voir euh, euh, sa tasse, euh, l'arme de gauchiste, voilà, euh, qui est... Euh il se, il se croit tellement malin mais en fait il a juste piqué la, la blague de Mel et il a adapté parce que, comme toujours avec les fachos de ce genre, euh, on peut pas inventer nos propres blagues, on doit forcément les piquer et euh, les retourner pour, pas pour montrer qu'on n'a pas compris la blague de base, tu vois. Qui a laissé ce mat avoir internet, dénoncez-vous. Ouais, ben, bah, on sait qui ben Shapiro, le Daily Wire, tout, grosso modo, le gros rassemblement de facho de, de l'extrême droite américaine. Et, bien sûr, Elon Musk. Elon Musk, qui a poussé la diffusion de son documentaire de merde, What Is a Woman? Voilà. Encore une fois, concentré de transphobie et de sexisme, sur Twitter. Voilà. Il a forcé là-dessus, là alors que ce documentaire, voilà, quoi. Il est, non seulement il est interdit de diffusion parce que c'est un discours de haine, et aussi, euh, c'est techniquement illégal parce que de ce que j'ai vu, il euh, y a des extraits dans ce documentaire qui ont été utilisés sans l'autorisation des personnes euh, qui sont affichées. quoi. Il y, y a des moments où on montre des personnes trans et les personnes trans en question n'ont pas donné leur accord pour être dans ce documentaire. Donc du coup, c'est complètement illégal ce qu'il a fait. Ah, Musk, il a fait ça. Oui, oui, il a fait ça. Euh, parce que euh, Elon Musk, il est euh, tout aussi euh, transhomb qu'eux et du coup, il force un petit peu la... La propagande transforme du Daily Wire euh, de son côté, maintenant qu'il a, qu dirige euh, Twitter. Et là aussi, vous pouvez voir la, sa, sa cafetière Sweet Baby Gang. C'est en référence au fait qu'il a dit une fois que les femmes sont le plus fécondes à l'âge de 15 ans et qu'on devrait coucher avec, avec elles à cet âge-là. Oui, c'est un petit peu un pédo, en plus, ce qui, est, ce qui est très drôle Ce qui est très drôle, parce que l'un de ses arguments contre les trans, c'est que « Oh, c'est une menace pour les femmes, ils pourraient euh, euh, utiliser leur truc pour euh, abuser d'elles et tout. » De l'autre côté, il, il dit euh, « Ouais, faut, faut coucher avec des femmes à l'âge de 15 ans. » Mais ta gueule <laughs> Mec, euh, <laughs> c'est quand même drôle Ça, c'est un truc qui m'a toujours fait marrer avec les trans hommes, c'est que ceux qui forcent l'argument « Ouais, les trans, c'est des criminels sexuels qui veulent abuser de nos enfants et de nos femmes. » Alors que finalement, c'est euh, plus souvent eux qu'on on trouve chez euh, qu'on trouve des, euh, des criminels sexuels et tout, quoi. Oui, au moins Burns peut être sympathique et drôle. Oui, voilà, ouais. Ça, ça, euh, en fait, il y a des tas de personnages force euh, dont la, euh, le côté maléfique est forcé dans la fiction qui sont quand même plus agréables que les connards qu'on a là, quoi. Non, c'est qu'un ragot euh, connu de toute façon. Au Japon, un pays euh, très particulier. Oui, enfin, on va pas commencer à prendre exemple sur le Japon là-dessus, hein. Là -dessus, hein. Alors, il faut savoir que l'âge des premières règles varie pas mal avec les époques. Et dans le courant du 19ème, l'âge moyen est assez proche des 18 ans. Je ne sais plus l'âge exact, mais clairement, à 15 ans, la fécondité, c'est pas ça. Oui, bah, en même temps, tu parles, à... tu, tu cherches une logique chez quelqu'un qui essaie de t'expliquer qu'une petite sirène ne peut pas être noire euh, biologiquement. À partir de là, c'est foutu! <laughs> Il est un peu comme J.K. Rowling pour les personnes transgenres. Limite, il est pire, tu vois, parce que autant, oui, J.K. Rowling, c'est une grosse euh, transphobe qui euh, abuse de son influence pour, euh, pour faire chez les, les trans euh, pour, euh, et qui fait des tas d'histoires où les, les trans sont des serial killers et tout. Mais lui, il essaye d'intellectualiser sa, sa transphobie, il essaye d'en faire un documentaire, il essaye vraiment de faire euh, cette propagande de tout le long et tout. Alors que J.K., entre temps, elle essaye quand même de faire des, des films animaux fantastiques. Enfin, elle essaye, et maintenant, c'est un peu foutu, hein. Au temps de Charlemagne, il se mariait à 13 ans, si si, je vous jure. Bah je pense que Matt Walsh, il aurait voulu vivre à cette époque-là. <laughs> Matt Walsh, il est le frère d'Ezra de Miller ou quoi mmh, Je sais pas. <laughs> euh, vu que Ezra Miller est non binaire, je pense qu'il aurait détesté euh, <laughs> Ezra Miller quand même. Hein. Il, leur seul point de rapprochement, c'est d'aimer les jeunes filles. Alors... Heureusement, les temps ont changé. Ouais, euh, <laughs> ça dépend pour qui malheureusement, euh, c'est pas... Euh, si les, les sirènes existaient, elles seraient monstrueuses car elles devraient no normalement avoir des grosses têtes pour supporter la pression des bas-fonds Exactement, ouais, si on commence à mêler à la science, euh, euh, c'est pas tant la, leur couleur de peau qui devrait nous inquiéter, c'est plutôt la, comment fonctionne leur corps, quoi euh, alors le couple gay dans HP c'est Drago et Harry, ouais, non, on va pas commencer avec ce genre de discussion. Donc ce cher Matt Walsh il a sorti une vidéo dernièrement sur la... Euh, je crois que c'est sa chaîne YouTube personnelle ou la chaîne YouTube de Daily Wire. Mais bon, enfin tout le monde dit qu'il a sorti euh, une vidéo où il explique que les méchants des films Disney euh, avaient raison. Qu en fait, euh, les films Disney euh, sont nuls, ils ont une morale discutable, et on va montrer qu'en fait, ce qu'on vous montrait comme des méchants, euh, ils avaient raison depuis le début. Et je trouve ça assez intéressant, tu vois, parce que la raison pour laquelle les gens adhèrent à la propagande euh, anti-woke, tu vois, euh, contrôler les féministes qui euh, remettent en question et tout, voilà, c'est justement ça le truc, c'est que. Des gens comme Ben Shapiro essayent de vous mettre dans leur banc en disant Ouais, fais pas attention aux féministes, aux progressistes, aux woke et tout, parce qu'ils vont te dire que les films avec lesquels t'as grandi, c'est de la merde et qu'il faut corriger ça en faisant des nouveaux films. Et, et si les films sont moins bien de nos jours, c'est à cause d'eux. Et là maintenant, euh, ce gros con, il va te dire Ouais, les films de ton enfance, c'est de la merde. Il a rien compris à la stratégie. En fait, c'est à croire que le mec. Il a passé tellement de, de vidéos à essayer de chercher la merde euh, avec Disney, à essayer de, de leur reprocher de faire de la propagande woke, féministe et euh, LGBT, qu'il n'a pas réussi à s'arrêter là où il fallait, voilà, et que maintenant bah, il est commencé à étendre sa haine de Disney au classique. Et du coup, là, c'est ben. Bah, bah, il est un petit peu foutu, là, tu vois, est, il, il est en train de, de faire fuir les gens qu'on avait ramenés juste parce qu'ils sont nostalgiques des films Disney, là. Justement, ceux qui disent non, s'il vous plaît, critiquez pas nos films, ils sont bien, etc. Bah, ils sont venus chez Daily Wire, chez Batwall, chez tout, justement, parce qu'ils allaient défendre euh, euh, les classiques Disney contre les remakes qui vont rendre ça plus woke, etc. Et voilà que maintenant, ils font le contraire. <laughs> Mention spéciale au carnet de l'apothicaire où l'impératrice d'Orden doit, doit faillir mourir de couche car très jeune. Ouais, euh, bon, là, c'est une autre discussion que j'ai pas suivie. On ne parle pas d'alerte rouge pitié. Alors c'est ça qui est magnifique, c'est qu'il parle même pas des Disney modernes là, il va parler des Disney classiques. Là déjà dans les quelques extraits que j'ai vu, il va parler par exemple du Roi Lion et de Pocahontas là. <laughs> Le mec il tente de jeter un bébé dans un puits parce qu'il est moche, il a raison. Bah je, je, je sens, tu rigoles mais on va pas, je sens qu'on va venir à ça. Je sais pas s'il va parler du boss de Notre Dame mais euh, on est peut-être à ce niveau là quoi. Donc euh, je vais lancer la vidéo. Que, on va pas la regarder directement sur la chaîne YouTube du mec parce que je veux pas le nourrir de. de, de je veux pas lui qu'il ait de l'argent ou des vues grâce à moi. Donc j'ai téléchargé la vidéo de côté. Voilà, c'est un truc que beaucoup de, de gens font pour les montages et tout, hein, récupérer des vidéos sur, sur YouTube. Et il euh, n'y a pas de sous-titres. Donc je vais essayer de vous euh, traduire au fur et à mesure ce qu'il dit. Mais voilà quoi, il y a des chances que je me retrouve avec un mot que je comprends pas trop. Il est possible que j'entende mal un truc, donc je m'excuse par avance si je fais euh, des, des erreurs de, de traduction, mais je vais faire de mon mieux. Les, les classiques, c'est pas les mêmes époques, c'est les années 80-90, voire. Euh, bah le plus vieux, c'est 90, je crois. Je crois qu'ils parlent vraiment de euh, ce genre de vieux films, quoi. Puis euh, oui, c'est des vieux films parce que maintenant ils ont 20-30 ans ces films-là. Voilà. Euh, bah, je sais, euh, moi aussi, je me sens vieux, mais voilà quoi. Le pire film le, de Pixar, le pire que Cars 2. Euh, vous parlez de de, de quoi euh... Bah non, il y a... y a de. Je pense pas qu'ils aient réussi à faire pire que Cars 2. Hein. Bah s'il a téléchargé, non. Bah euh, en fait, maintenant si, euh, maintenant on peut télécharger des vidéos avec les sous-titres. C'est juste que euh, les vidéos de Matt Walsh ne s'adressent pas à des gens qui savent lire. Donc du coup, les sous-titres ça sert à rien. <laughs> oui, alerte rouge, pire que Cars 2, mauvaise foi totale. Non mais je suis désolé, euh, non. Tu peux pas dire objectivement que Cars 2 est pire que est meilleur que Alerte Rouge. C'est un mensonge à ce stade-là. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ce film pour des raisons idiotes, mais là, euh, faut arrêter là. Alors, voilà. Normalement, le son est bon. Euh, J'ai bien branché le truc, donc euh, je vais monter un petit peu quand même, parce que là, on va se le permettre. Euh, moi, j'aime bien Cars 2. Ouais, bah, t'as raison d'aimer le film, mais euh, c'est un mauvais film. C'est euh, objectivement le plus mauvais de, de Pixar, euh, que ça te plaise ou non. Euh. Alors, c'est parti. Attends, attends, attends. On doit déjà faire une pause parce que what De tous les jeux que le mec pouvait faire semblant de jouer, il sort le jeu de stratégie, la, pla... la planète au trésor. Quoi Alors, euh, il, il va pas parler de la planète au trésor, de ce que j'ai compris. Donc je vois pas l'intérêt de what <laughs> Disney Les films Disney de nos jours sont trop woke. Je commence par montrer ça en montrant une série. <laughs> bah oui, Créta, le premier extrait que tu montres, uh, c'est uh, pas un film, c'est Percy Jackson. Et puis là, euh, voilà quoi, c'est pas tant Disney qui le fait que juste la norme quoi. Euh, on s'est permis de mettre cette actrice-là bah, juste parce que c'est euh, une bonne actrice et elle se débrouille bien et tout. Et faudrait expliquer ah, en quoi Percy Jackson est woke. Ah si, si, c'est woke parce que ça remet en question euh, l'autorité des dieux à de très nombreuses reprises. Mais en même temps, on montre qu'ils ont raison. Tu vois. <laughs> Donc euh, dire que Percy Jackson c'est woke, euh, voilà quoi. Tu as aimé Percy Jackson euh, sur Disney Plus Euh, bah écoute, je connais pas trop Percy Jackson, j'ai je, je, pas lu le bouquin et tout, mais déjà, les premiers épisodes de la série, ça va. Honnêtement, mon seul point de comparaison, c'est le film, et euh, franchement, si la série est fidèle au bouquin, je comprends totalement pourquoi les fans étaient déçus du film, parce que la vache, ils ont vraiment épuré les trucs les plus intéressants de ces séquences-là. Hein alors, qu'est-ce un... qu qu'il y avait d'autre euh, Wish, voilà, alors je suis désolé, mais euh, Wish n'est pas woke. C'est pas parce que le personnage principal n'est pas blanche que le film est woke, ok Je veux dire, si le film était, était vraiment woke, il ferait plus que euh, critiquer euh, une seule personne responsable de toutes les injustices de ce pays fictif, il critiquerait le système entier, ok Ça veut dire ça être woke à ah, la base. Wow, okay. Alors, j'ai pas vu euh, Avalonia, encore une fois, donc je sais pas à quel point il est woke. De ce que j'ai compris, il y a un coup de dedans, mais ça, touf, ça rend toujours pas un film woke. Et la petite sirène, bah, on a compris qu'il a vraiment une haine viscérale envers ce, ce truc qu'il essaye de. qu'il essaye désespérément d'intellectualiser, mais euh, voilà, ça marche pas. Puis, arrêtez de faire genre qu'on l'a engagé juste parce qu'elle est noire. Non! Tu entends sa voix, tu comprends pourquoi on l'a engagée. Parce que c'est une super chanteuse. C'est quelqu'un qui a un CV à la base. Arrêtez de limiter les actrices à leur couleur de peau, quoi. Merde. And basically awful in every way. Euh, non, non, non. Ta gueule. Alerte rouge était excellent. Ferme ta gueule. On a déjà ce débat dans le chat. J'ai pas envie qu'il se retrouve dans la vidéo. Je vous en prie. Et puis, euh. Ouais. Remise en question de l'autorité parentale. À la limite, un petit peu woke, mais même là. Et euh, tout à l'heure avec Captain Marvel, non, non, euh, si tu dis que, que Captain Marvel est woke, t'es vraiment un gros con. C'est de la propagande militaire, pratiquement, Captain Marvel, arrête <laughs> Si li littéralement le personnage principal aurait été un mec, t'aurais kiffé ce film, quoi, crétin get, get. I'm a narcissist. <laughs> Oh non, on commence Oh putain, j'en ai marre euh... <laughs> Bien sûr, il bâche sur l'actrice qui va jouer blan Blanche-Neige, alors que je suis euh, désolé, c'est une actrice de talent. Et quand tu vois West Side Story, tu comprends totalement pourquoi ils l'ont pris pour jouer Blanche-Neige, parce qu'elle a vraiment le même. Euh, si tu euh, es capable de voir au-delà de la couleur de peau, tu comprends qu'elle a le physique et la façon de jouer pour quoi. Oh, et puis oui, bien sûr, le fait qu'il a montré principalement des personnages féminins, rien à voir, hein, bien sûr. <laughs> alors, on reprend. Et They pine quest the What? <laughs> Badwatch, qu -ce... Badwatch, qu -ce que What? fous <laughs> <laughs> Batwatch, quest envie de coucher avec gastro apparemment. <laughs> Il y a Des sous-titres, j'essaye de traduire au mieux. Voilà, euh, parce que là, il dit pas grand chose d'intéressant. Il fait juste de, de, la, de la, du blabla de oh, euh, les gens préféraient les films Disney comme comment ils étaient avant avant que ça devienne woke. Et là, euh, et là, ce crétin il va te dire, ouais, non, euh, Disney ça a toujours été woke, alors que pas du tout. <laughs> Il a un torse unique et après tout... Oui Et d'ailleurs, il a ruiné son torse Ce con, il a ruiné son torse en lui enlevant tous les muscles et en lui mettant des nichons, quoi Mais, euh... <laughs> Calme-toi un petit peu, quoi Donc, du coup, euh, votre discours comme quoi euh, le wokisme, c'est un truc... Qui euh, est tout nouveau, euh, qui, a, qui est dû au mo modernisme et, euh, et, et aux millennials, vous êtes en train de l'abandonner cet argument. Et maintenant vous dites, euh, Disney ça a toujours été woke. <rire> <rire> Matt Walsh le fantasme sur Gaston, il a prouvé que ce serait euh, littéralement un des villageois. <laughs> oui, oui, bah littéralement, Matt Walsh c'est euh, un des villageois du village de, de Belle s'il si, euh, avait une chaîne YouTube. Mais c'est woke ou pas euh... Je sais pas. <laughs> On va essayer de voir où est-ce qu'il va là-dedans. Le problème that que dans films, dans many cases, cas, les villains are sont traités, think, very très Alors, euh, les méchants ont été maltraités. Donc, il montre, bien sûr, euh, le crétin fanboy qui veut détruire les super-héros parce que les super-héros ont dit qu'il n'était pas euh, à leur niveau. Euh. La, la méchante qui veut euh, qui veut tuer euh, l'Empereur le, juste parce qu'elle s'est fait virer euh, à la limite tu peux comprendre ça un petit peu Mais c'est aussi la connasse qui a qui a dit à des gens affamés euh, Vous aviez qu'à y penser avant de devenir paysan Donc tu veux vraiment donner raison à Isma là, sur ce coup Et Captain est ce que j'ai besoin d'expliquer Captain croche c'est le connard qui essaie de buter des gosses Tuer des gosses c'est bien apparemment Captain Crunchyroll aurait raison de tuer des gosses bah, du coup, il devrait aimer le, 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 le remake Disney de, de Peter Pan vu que justement, ça montre que, eh, peut-être que Captain Crunch a de bonnes raisons d'être méchant finalement, non? Ça va nulle part, mais euh, voilà. Cosco est pas assez woke. <laughs> bah, en vrai, oui, Cosco est pas assez woke vu que, encore une fois, ça va avec le, le truc de si l'empereur il devient gentil, euh, tous les problèmes de société seront réglés. Alors que être woke, ça montre que vraiment, c'est le système entier, c'est pas juste une personne le problème, quoi. Y a un mec dans mon lycée qui, res... qui, est... qui lui ressemble et qui est homophobe et qui m'a déjà jugé de... dessus et les meufs du lycée l'adorent. Faut que je... je me mette au foot et arrête d'être moi pour être populaire. Ouais, voilà. C'est toujours la conformité à leur idée de la masculinité qu'il faut toujours. Bah ça, c'est aussi le gros problème de Matt Walsh, quoi. Son, Son documentaire What Is a Woman C'est grosso modo, non seulement ça dit les trans devraient arrêter d'être trans, mais ça dit aussi les femmes devraient rester à la cuisine et les mecs devraient ouvrir le bocal de cornichon, quoi. C'est à ce niveau de euh, basesse les sexistes, quoi. Après, ce gosse c'est un connard. Mais je parle pas de Peter Pan, je parle des autres gosses Je parle de Wendy et de ses frères ça, ça... Star Wars 2 euh, meilleur que Alerte Rouge. Euh, lequel de Star Wars 2 Parce que si tu parles de l'Empire contre-attaque, oui. L'attaque des clones, non. Non, non, je suis désolé, euh, l'attaque des clones est inférieure à Alerte Rouge, largement. Ah merde, je suis pas Ils ont rap. Dans de nombreux cas, misunderstood, Voilà, là, il fait le truc. Oh, ces personnages sont mal compris, etc. Ah donc tu es pour la remise en question des valeurs mises en avant dans, dans des films. Le truc que justement vous arrêtez pas de reprocher au wok <laughs> Tu te rends compte de ce que t'es en train de devenir batwash pour ta vidéo de merde là? Alors on est... on a 45 secondes. <laughs> on va pas s'en sortir. <laughs> and look, maybe it's just my overabundance of empathy and compassion.

donc ouais, elle avait raison de euh, voler la voix d'une gamine et euh, de, 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 de l'utiliser dans un complot pour prendre le pouvoir. Hadès euh, avait raison euh, de ne pas accepter de s'occuper des morts et de vouloir euh, provoquer l'apocalypse. Euh, là, c'est... Oui. Captain Crochet avait raison de tuer des gosses. Alors, Shang-Yu, c'est intéressant. Shang-Yu, c'est intéressant qu'il montre qu'il avait raison parce que... Shang... Euh, voilà, c'est un 1 et les 1, ils attaquaient régulièrement la muraille de Chine, justement, parce que leur, leur pays était euh, euh, bah, coupé de tout wire pour, pour se nourrir et tout, et que fallait bien qu'ils... Euh, voilà, donc c'est marrant quoi, tu, tu dis, le mec qui essaye de passer la frontière de la Chine, il a raison. C'est marrant ça te, te, Mais t'es de droite, normalement, non <laughs> Clayton avait raison, oui, il y a ça aussi. Spider-Man Homecoming, euh, meilleur que... Non, ferme... Arrête T'es désespéré, mec, arrête <laughs> Tu ne convaincras personne que Alerte Rouge est moins bien que ces films. Arrête. Alors, bien sûr. Bien sûr, Radcliffe a raison de, tuer les, de vouloir tuer les Indiens pour de l'or qui n'existe pas. Bien sûr. Euh, Turbo. Alors, ça, c'est intéressant, ça, tu vois. Parce que justement, on peut critiquer les mondes de Ralph comme étant un truc où, euh, tout le monde à sa place, il doit pas essayer de sortir du truc, voilà, qui a, que ça, que le film repose sur une forme de conformité et que euh, ceux qui essayent de se sortir de leur rôle qui leur sont attribués dès la naissance, euh, ils sont en tort. Donc du coup, c'est assez marrant que toi, célèbre transphobe qui veut empêcher les, les, les personnes trans de transitionner, voilà, tu, tu dis, euh, ouais, non, ce personnage qui dit, euh, faut pas se contenter des des normes imposées dès la naissance, euh, il a raison, quoi. C'est rigolo, tu vois. Alors, la méchante de Blanche-Neige, ça va être très drôle s'il défend la méchante de Blanche-Neige. Déjà, parce que comment tu peux défendre l'un des personnages de conte les plus célèbres pour avoir une motivation horrible, à savoir tuer une gamine juste parce qu'elle est plus belle qu'elle <laughs> Mais surtout, Daily Wire est en train de produire euh, une adaptation de Blanche-Neige. Euh, pour, euh, en réponse au remake Disney de, de blanche neige pour essayer de montrer « Ouais, nous, on fera la vraie version de Disney !» Et du coup, le représentant de Daily Wire, les producteurs du truc, euh, ils sont en train de dire « Ouais, la méchante avait raison de vouloir buter la gamine <laughs> !»« Ce serait trop drôle !» Alors, Matt Walsh a aussi joué dans un film qui est juste euh, l'épisode « jeu de filles » de South Park. Oui, oui, bah ça, il est déjà dans mon flop euh, !« Lady Ballers », oui, je sais de quel film tu parles, et il ne sait pas jouer. Et même le simple acte de, du rire maléfique, il est nul à chier à ça. C'est magnifique quoi. Et juste là, on a Jafar. Euh, Jafar qui veut euh, comploter contre le sultan, euh, prendre sa place et euh, se taper sa fille contre son consentement. Évidemment que Wolf va penser que Jafar avait raison. <laughs> Attends. Ah mais Wadwosh euh, est un acteur Non. Mais il joue quand même dans ce film. C'est un peu le problème. En fait, le film dont tu parles, les deep Ballers, il n'y a pas un seul acteur. C'est que des journalistes euh, de Daily Wire qui ont décidé de faire une comédie sur les trans juste parce que. Parce que y, eux, les mecs qui euh, critiquent les films de Disney et Marvel de faire de la propagande woke, ils n'ont aucun souci à vouloir faire leur propre film propagande d'extrême droite, quoi, tu vois. Mais c'est de la merde! Oui, ça l'est. <laughs> Matt Walsh je devrais appeler euh, l'avocat du diable. Ah bah là, euh, même l'avocat du diable, il, a... il sait pas comment défendre ce truc, quoi. So quoi Non <laughs> Le méchant de Bambi avait raison <laughs> Ah non, mais non Non, mais là, c'est juste. C'est juste pour faire chier euh, ceux qui ont grandi avec les films Disney, là, c'est pas possible Là, c'est juste. Ouais, euh, la mère de Bambi, elle mérite de crever, là, mais. What <laughs> Le chasseur avait raison Oh putain mais si c'est ça mais ce serait pas étonnant de sa part mais putain essaye de le cacher quoi merde Je veux dire c'est littéralement une des pre... un des, euh, des premiers films qu'on montre aux tout petits, voilà, c'est un film qui a bercé l'enfance de plusieurs générations et là t'es en train de dire Ouais le chasseur avait raison de buter la maman quoi Et là tous les gosses quoi qui vont être genre la maman de Bambi !» <laughs> Le méchant le plus allégorique avait raison. Comment Oui, c'est vrai, c'est même pas un personnage ou quoi. Je n'ai jamais rencontré d'enfant qui a aimé ce film. Tant mieux que t'aies jamais rencontré d'enfants, connard! <laughs> Mec, t'es celui qui dit que les femmes devraient coucher à, devraient procréer à 15 ans, quoi. Non, non! Tant mieux que t'aies pas rencontré de gosse <laughs> Oui, euh, mensonge. Soit, si c'est vrai, j'espère que c'est pour les raisons que je pense, à savoir, tous les parents voulaient éviter qu'ils s'approchent de leurs gosses. Est-ce que Mad Wolf est le fils caché de CC dans la Nouvelle Enfer euh, Je sais pas. Mad Wolf, c'est qui Mad Wolf <laughs> Faudrait qu'il voyage plus. Oui, voilà. Je. <laughs> J'ai connu personne de mon âge euh, qui a aimé euh, Bambi euh, quand ils quand l'ont vu quand ils étaient petits. Ouais. En même temps, connard, euh, à tous les... euh, vu tous les les crétins avec lesquels tu vis, t'as dû vivre avec des gens qui ont jamais regardé de, de films pour enfants positifs. Donc, tu m'étonnes que t'as vu personne qui aimait Bambi, quoi. Traduction, il n'a jamais rencontré d'enfant tout court. Ouais, voilà, mec, c'est toujours un. Euh... Attends, j'ai vérifié un truc. J'aime pas trop regarder les, les notes euh, Rotten Tomatoes des, des films parce que pour moi, Rotten Tomatoes, c'est pas un site euh, qui montre la qualité d'un film, qui est un bon indicateur de qualité, mais c'est un site qui montre surtout la popularité d'un film. Et encore, euh, même là-dessus, on peut pas trop faire confiance. Parce que, avec tous les crétins qui font du review bombing pour euh, forcer l'idée que les gens n'aiment pas ce film, juste pour ne pas accepter qu'ils sont une minorité euh, dans leur avis, voilà. Le chasseur avait raison, les vegans sont trop nuls, ils sont trop woke avec leur tofu. Oui, il y a ça aussi, attends, le film il date de, des années 40. Ça, là, il est en train de dire qu'un film qui existait avant que le mot woke n'existe était woke. Mais il est con, cool, putain! <laughs> Après oui, si tu penses juste à des films qui remettent en question euh, la société, euh, Bambi marche toujours pas, hein, mais euh, c'est vrai qu'on peut en trouver dans les années 40 et tout, quoi. Genre, euh, ouais, on pourrait dire que euh, le dictateur de Charlie Chaplin, un, on peut dire que c'est un film woke, oui, voilà, parce que c'est un film qui euh, fait du rendre dedans sur le fascisme, etc. Mais... Euh, mais voilà quoi, c'est un petit peu anachronique de dire que ce film est woke quoi. Parce que je, le mec il, il se doutait pas que ce mot allait avoir une telle portée euh, euh, sur le, le compas pour, euh, des noirs et tout. Ouais, voilà. Alors, actuellement. Non, pourquoi il est là euh, Ah oui, c'est le truc. Euh, ouais, ouais, j'absète les cookies, connard. Voilà, il est actuellement à. Où est-ce qu'il est passé encore Mais c'est pas vrai. Voilà, reste là maintenant. Voilà, il est à 91% pour les critiques et 73%. Pour le public. Donc, ouais, il y a peut-être une partie de la population qui aime pas ce film. Et je comprendrais pourquoi. Parce que c'est vrai que c'est très simpliste comme film. Mais euh, va pas me faire croire qu'il n'y a pas d'enfants qui aiment ce film. C'est du mensonge, quoi. Oh <laughs> non, révélation. Et si. MJ, et s'il parlait pas du chasseur, mais du cerf qui essaye de se taper euh, Féline euh, Bah alors, c'est encore plus débile. Tu vois, parce que. Imaginons, je suis un gros con sexiste. Euh, le mec. Qui voit l'autre serre et tout, il se dit ouais euh, c'est euh, le plus fort qui va voir la copine. Bah, même là, tu te dis ouais c'est Bambi qui l'a mérité quoi. <laughs> bon alors essayons de voir où est-ce qu'il va. L'un euh, des films les plus faibles du canon de Disney, mec c'est un de leurs films les plus prestigieux, tu mens, tu, tu montres que t'as aucune culture sur Disney, et je suis désolé, mais non, je peux te citer des tas de films qui sont inférieurs à Bambi, les Aristochats, euh, même le Robin des Bois de Disney, il est moins bien considéré, t'as révélé le Chandon Magique, évidemment, Oliver et compagnie, euh, même, j'adore Bernard Bianca, mais je suis le premier à dire que Bernard Bianca est moins populaire que Bambi, tu vois J'ai au moins cette objectivité de dire que, que c'est moins... Et puis, si le film n'était pas apprécié, dis-moi, pourquoi les peluches se vendent toujours bien Pourquoi on a fait une suite dans les années 2000 Pourquoi on a déjà annoncé le remake C'est donc bien qu'il y a une, une étude qui démontre que les gens aiment ce film. Il y a une raison pour laquelle on a fait un remake sur... Euh, on annonce déjà un remake sur Barbie, mais qu'on a toujours rien annoncé sur Atlantide et la planète au trésor, tu vois En plus, Barbie a inspiré le Roi Lion, ouais, voilà. Moins que Chicken Little... Voilà, autre exemple Chicken Little, il est moins bien que, que Barbie, quoi le deuxième, c'est... En plus, euh, Bambi bon, bien hein, Le deuxième, c'est... Attends, quoi Les enfants doivent euh, constituer 25% de la population. <laughs> oui, en plus... Alors... Oh, mon Dieu, Apocalypse 2024 va arriver... Hein... Oui, bon, là, c'est... Alors... Oui, 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 yet it's... oui, en plus, il est en train de montrer, euh, si des enfants n'aiment pas ce film, c'est parce que, justement, la mère de Bambi meurt. Donc, du coup, ça crée un événement traumatisant et tout. Donc, euh, là, t'es en train de dire... Euh, Ouais non, euh, ces gens-là ont raison. Euh, <laughs> où est-ce que tu veux aller avec ton argument là J'ai pas compris. <laughs> oui, oui, bon. Alors, clairement, il va se plaindre que les méchants sont, sont les, les chasseurs, ce qui... Euh, vraiment, tu vas défendre les chasseurs Autant en France, je comprends un petit peu, mais... Euh, euh, oui, non, ouais, c'est vrai qu'aux États-Unis, il euh, y en a toujours, ouais, mais... Pff. C'est euh, c'est pas vraiment pour euh, nourrir des villages quoi qui existent cela de the... Push shot Bambi's mom. No hasty caller shooting. There you are far away. Oh good shot boy good shot. Je crois que c'était une tentative de faire de l'humour mais en fait euh... voilà quoi. The... But they were obviously entirely justified in doing so. First of all, ils étaient totalement justifiés de le faire. Because okay. venison is delicious. You... Les chasseurs avaient raison de tuer la mère de Bambi parce que les, les, le cerf, c'est délicieux. On en voit vraiment, c'est ça son argument Le mec, il, il veut se faire passer pour un intellectuel C'est... Attends, c'est un truc que je pourrais faire dire à Florian de mom. Oui, voilà, c'est vraiment ça son argument, c'est juste délicieux, ça fait un bon steak et tout, mais... Euh... Mec, euh, c'est juste tu détestes les gosses, là, en fait, tu veux juste les traumatiser encore plus, hein. A fact that Comment peux-tu savoir Bah oui, là, il est totalement dans l'imaginaire de la raison pour laquelle... Si ça se trouve, il a même pas... Euh, la, la maman de Bambi a pas été tuée euh, pour être bouffée, elle a été tuée pour le sport, tu vois Parce que la, la chasse, c'est aussi ça, c'est genre, euh, on, rend, on transforme le, le meurtre d'animaux en sport, c'est ça le, le truc qui gêne le plus on dirait une Eddie Joe, quoi. Ouais, voilà, c'est tellement une, une blague digne des années 2000, quand tout le monde crachait sur Disney, genre, cette vidéo, elle a 20 ans de retard, là, quoi Par pitié, dis-moi que c'est une chaîne humoristique et pas premier degré. C'est premier degré. C'est premier degré. Il est encore plus con que je le croyais. Ouais, moi aussi <laughs> Attends, Qu'est-ce que t'as dit, là ...which is a fact that could have brought Bambi some comfort and solace if anyone had explained it to him. Ouais, euh, là il est en train de dire, ça aurait pu réconforter Bambi de lui dire que sa mère permet de nourrir des, vieilles, des chasseurs. Mais quel fils de pute Mais tu m'étonnes que personne ne veut que tu t'approches des gosses quoi <laughs> Mais, 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 mais il, il, il déteste les gosses ce mec Il déteste vraiment les gosses La population des cerfs est hors de contrôle. Est-ce qu'il y a un problème de population de cerfs dans. dans euh, à l'heure actuelle ou même à l'époque je, je suis pas spécialisé en démographie d'animaux. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer Est-ce qu'il y a un problème par rapport à ça <laughs> Ah, il a sorti la régulation. Donc il y a un problème de régulation avec les, les cerfs Il y a même l'inverse. D'accord Il y a même l'inverse. Il s'envoient d'extinction. Donc. Mais, mais il est débile. Il a fait des recherches au moins. Il a fait des recherches. Moi, je... ouais, il suffit de voir le chat pour savoir. Non, ça va. Il n'y en a là, pas de problème. Seulement d'animaux tout court. Ouais. <laughs> Alors, bon, il a explosé en plein vol dès le numéro 1, le Batwatch. Ah, oh, bah, ben, il avait explosé en plein vol avant que le, le top commence, hein, largement. Hein. Par voie d'extinction. D'accord, d'accord. Oui, il y a un an, comme les têtes sont souvent comptées euh, plusieurs fois, les quotas de chasse sont très permissifs et ils disparaissent. Voilà. On est en train de. C est... C est... C est... Ces animaux-là sont en train de, de se faire euh, ext... exterminer, quoi. Tu m'étonnes qu'il est pas marié et n'a pas de gosses. Je crois qu'il mar qu est marié et qu'il a des gosses. C'est juste que... Euh, il va pas rester fidèle, je pense. <laughs> il y a pire que les serges, genre les ratons laveurs ou les punaises de lit. Oui, ça, à limite, je peux comprendre. Les ratons sont considérés comme... Euh, euh, J'essaie de trouver le bon mot... Euh, voilà, euh, pas, pas une peste, mais... Euh, des nuisibles. Voilà, ils sont considérés comme des nuisibles. On pourrait... On pourrait pas, vu un nostalgia Critique... Euh ce serait pas drôle sinon. Dénuisible, <laughs> merci ouais voilà. Espèce invasive, ouais, ouais quel, euh, quelque chose comme ça quoi. Mais euh, ouais, euh, c'est des espèces qui euh, sont considérées comme envahissantes et tout que ce soit les ratons laveurs, les rats ou quoi, je peux comprendre là, mais là euh, à la limite si tu voulais euh, dire que le, le méchant avait raison de limiter la population, euh, parle de ratatouille quoi, mais euh, non non, le mec il voulait de suite aller dans les films les plus vieux voilà ou et euh, où, parce qu'apparemment le Wookiee ça existe dans les années 40 euh, D'ailleurs, il faisait tout à l'heure la remarque que ce film pourrait sortir de nos jours, mais mec, t'es en train de détruire tout l'argumentaire de... des anti wok comme quoi on pourrait pas sortir des films classiques de nos jours. <laughs> les chats sauvages aussi peuvent faire énormément de dégâts. Ouais, voilà. Je... Justement, y a un problème. il commence à y avoir un problème avec les chats. Euh, à force de de pas euh, les... les castrer et tout, ils... ils se reproduisent très vite et commencent à devenir euh, euh, aussi euh, nuisibles que les... les rats ou les pigeons, quoi. Limite, il y a même des, des régions qui ont, euh, où il y a des, des oiseaux qui sont en voie d'extinction à cause de la surpopulation de chats, quoi. Les lapins aussi. Les lapins, je sais pas, peut-être. Mais les, les cerfs, euh, j'avais jamais entendu parler. Une fois, il y a un cerf qui est passé devant chez moi, moi j'ai eu un bug. Oh, t'as de la chance. Surtout que ça, doit, ça a l'air très mignon, les cerfs, comme ça, quoi. L'invasion des lapins en Australie. Ah, oui, mais euh, là, c'est un, un autre problème. Là, le problème, ce n'est pas la régularisation, c'est que le fait qu'on a amené un lapin euh, dans une zone... Euh, qui euh, a un petit peu foutu en l'air l'écosystème, quoi, tu vois. il euh... le pas c'est agressif. Ça dépend des lapins, je pense. Ah, euh... hein, les lapins se reproduisent très vite. Oui, voilà, en plus, ouais. Donc, euh, c'est une des raisons pour laquelle ça a foutu la merde en Australie, d'ailleurs. Bon, on continue. Like they oh, il vient de préciser dans ce, dans ce pays, donc aux États-Unis. Donc, il y aurait un problème de population de cerfs aux États-Unis. Si tu pars du principe que Bambi se passe aux États-Unis, de, de ce qu'on en sait, ça se passe en France ou euh, en Allemagne. Ça peut se passer n'importe où euh, bon, pas exactement n'importe où euh, là où, où, où vivent les cerfs mais euh, je pense pas que ce soit les États-Unis quoi. En Martinique, on a un problème de chiens sauvages qui tuent le bétail. Ouais, voilà par exemple. Il <coughs> y a une île au Japon qui est infestée de lapins. Oui, voilà, mais il y a tout un folklore avec les lapins euh, et tout. Euh. Bon oui, il se passe en Australie. Je euh, je crois pas. Je crois pas que ça se passe en Australie, non. Euh. <laughs> Ils provoquent des tas d'accidents de la route. C'est la faute des conducteurs dans ce cas. Surtout que là, les extraits que tu montres en te croyant drôle, c'est clairement le, le, le cerf qui a pris le plus de dégâts que la voiture. Mais genre mais, mais putain mais c'est vraiment un problème de riche quoi. Oh là là les cerfs ils ont un petit peu abîmé ma voiture. Mec tu viens de tuer un être vivant quoi ferme ta gueule. Bambi est à la base d'un livre autrichien ouais donc je suppose que ça se passe en Autriche. Ah euh, peut-être que le mec de tout à l'heure il voulait dire l'Autriche pas l'Australie d'accord. Euh, je sais pas si c'est moi qui ai mal euh, bah, bah, écrit ou si c'est lui qui s'est qui trompé mais voilà. On chasse les voitures bah oui mais bah, le problème justement c'est que les mecs ils roulent trop vite surtout. On, on a des panneaux disant attention aux cerfs. Justement, c'est à ça que ça sert, fais gaffe sur la route. Oui mais là encore une fois c'est la faute du conducteur qui vont trop vite et qui ne font pas attention. Puis oui l'extrait il est dégueulasse, je hein, euh... <laughs> sais pas si je vais garder la monétisation à cause de cette vidéo de merde. <laughs> bah, la voiture aux US c'est bien plus importante que le gros problème de... que les serres. Oui mais c'est justement ça, es... c'est tellement des mecs qui sont tellement de droite que pour eux... Euh... Si une voiture écrase des gosses, hop, c'est euh, la faute du gosse, quoi. C'est n'importe quoi, quoi. Ce... <laughs> Bonsoir, qu'est-ce que j'ai loupé Bah, il y a ce con qui est en train de dire que euh, le méchant de Bambi a raison. Parce que la mère de Bambi euh, est sûrement délicieuse, ça fait un bon steak. Et euh, les cerfs arrêtent pas de provoquer des accidents de voiture. <laughs> je mets des extraits comiques sur des animaux morts, je suis comique. Oui, voilà, c'est tellement de mauvais goût quand il réfléchit 5 secondes, quoi. <laughs> deer hunters are performing a service, and yet they've been les chasseurs de cerfs euh, rendent service. Non <laughs> Alors, euh, Le problème, euh, <laughs> je pense pas que les chasseurs euh, soient genre Ouais, on va aider les gens qui conduisent leur voiture en tuant tous les cerfs pour qu'ils aient pas d'accident, quoi. Mais, mais, mais ferme ta gueule, quoi. Villainized in a movie <laughs> that generations of bored children have been forced to watch. Think about this. Voilà, on, on force des gosses à regarder ce, ce film où ces pauvres chasseurs sont diabolisés. Mais mec, c'est des tueurs d'animaux au bout d'un moment! Euh... <laughs> faut, faut le dire ce qui est, quoi! Surtout que je m'excuse, mais de nos jours, on commence à avoir des alternatives à la viande et tout, faudrait peut-être arrêter de tuer des animaux, quoi! Merde! <laughs> le fait de montrer des animaux morts pour être drôle, ça me rappelle un épisode de Salut les Geeks! Ouais, un peu, ouais! Mais c'est un Disney, calme-toi, Matt! Ouais, surtout un film de. de... Après je te dirais c'est le mec qui est devenu célèbre en rageant sur un remake Disney donc euh, forcément il va, il va essayer de gratter un petit peu les sous là-dessus, c'est pour ça que j'ai récupéré la vidéo pour euh, qu'on la regarde pas directement sur sa chaîne de merde quoi. Alors si la mère de Bambi n'avait pas été tuée, have gone on to, like, the road elle serait probablement allée sur la route mais mec c'est de l'hypothétique C'est nul comme argument ça puis je m'excuse, mais donc tu as vu une route dans Bambi. À quel moment on voit une route ou un bout de civilisation Le seul bout de civilisation qu'on voit, c'est l'arme à feu. On n'a jamais croisé de civilisation tout court. <laughs> Ouais, enfin mec, t'es obligé de faire un montage pour euh, montrer un accident de voiture où euh, le cerf euh, provoque la mort de gens, alors que les, les vrais extraits que t'as montré tout à l'heure, ça montrait plutôt que c'est le cerf qui bave le plus. Tu vois, t'es obligé de mentir pour donner l'impression que les cerfs sont un danger pour la population, quoi. Ça, c'est encore une fois, on retourne à Lady Bowers, quoi, parce que Lady Bowers, ce film transforme sur des des mecs qui se déguisent en femmes pour euh, rejoindre le sport féminin et qui sont protégés par euh, le le, la politi le politiquement correct et qui pensent qu'ils sont trans et ben en gros c'était basé c'était censé être à la base un documentaire sur à quel point les trans posent problème euh, dans le milieu du du sport féminin et euh, leur idée c'était de s'infiltrer dans le sport féminin en se déguisant en femme sauf qu'ils se sont rendu compte que ça marche pas comme ça en fait il suffit pas de venir avec une perruque et dire que tu es une femme pour euh, pour que les gens qu euh, te croient quand tu dis que t'es trans et, du coup au vu de ça, ils se sont dit bon, finalement, on va en faire une fiction, mais on va quand même forcer notre argument là. Donc voilà, ces gens-là, quand ils voient que la vérité ne correspond pas à leur propagande, ils mentent. Genre littéralement, c'est en train de ce qui s'est passé. Oh, les extraits de cerfs qui se mangent des voitures que, que j'ai montré tout à l'heure, ça montre que les cerfs ne sont pas un danger et qu'en réalité, c'est les voitures qui sont dangereuses pour les cerfs. Et bah ben, du coup, je vais faire ce montage nul pour donner l'impression que les cerfs c'est dangereux pour la population, quoi. Into a tree and die. Ouais, bah le, le mec il avait qu'à mieux conduire, il avait qu'à mettre ses phares, il avait qu'à pas rouler vite de, dans une route euh, près de la forêt, il aurait dû faire attention au panneau attention au cerf. Merde, l'animal n'a rien demandé, même il panique quand une voiture passe. Exactement, le cerf il fait pas exprès au bout d'un moment. Euh. Euh... Ouais, et t'es obligé de faire un montage là-dessus pour de la. Est-ce qu'il y a une famille qui est morte à cause d'un cerf parce que c'est au moins arrivé une seule fois. Moi, honnêtement, euh, je pense que juste, ça pète la vitre et ça traumatise les gosses. C'est le maximum qui peut se passer, quoi. Ce sont les routes qui passent dans les forêts et pas le contraire. What the fuck, c'est quoi son argument Oui, voilà Les forêts, ils sont pas venus tout d'un coup sur les routes que vous venez de construire, quoi. C'est les routes qui lui ont foutu la merde dans les forêts, quoi. Les seuls, les ils sont là avant vous. Fermez vos gueules, quoi. <laughs> Sanglier, peut-être, c'est non un... Oui, mais les sangliers, c'est solide. Les sangliers, c'est quand même euh, une plus grosse masse, euh, ils ont une peau un peu plus solide et tout. Les cerfs, putain, mais un coup de vent peut les tuer, quoi, ces pauvres bêtes. <laughs> number two is lion King. Now... Alors, numéro 2, le roi lion, ok. Euh, essaye de m'expliquer pourquoi le mec qui veut tuer un gosse et qui a niqué l'écosystème de ce... <laughs> du royaume qu'il gère a raison. Vas-y, vends-moi du rêve. Je ne dis Scar is... Uh, uh, the good guy in that film. Je suis pas en train de dire que euh, Scar est le gentil dans l'histoire. Toute ta vidéo c'est de montrer qu'ils avaient raison depuis le début, décis toi. Déjà le chasseur tu le montres comme un héros, alors euh, calme-toi. I'm nephew. Ok, ouais. Donc il explique que je vais pas justifier le fait qu'il a tué son frère et qu'il essaye de tuer son, son neveu, d'accord is, is bah, Je n'approuve pas le meurtre de neveu. Ok, bah c'est bon à savoir. Ouais, ouais. Euh, toi on sait que t'es. Non, non, je vais, je vais arrêter de faire la blague. Hein. Il va dire que Scar est un, S, est un SS. Oui, bah il y a ça aussi. Bonne chance pour défendre le mec qui est littéralement codifié comme étant un nazi, quoi, mec. Oh God. But all I'm saying is that... Je dis juste que le personnage mérite un peu plus de sympathie. Il est littéralement conçu pour être le plus euh, diabolique possible. C'est un méchant Disney, mec. Ils sont pas censés euh, attiser la compassion quoi. Yes. For one thing, his name is Scar. Okay? I don't want to get into the nature versus nurture debate, but when you name your child Scar, you can't complain when he becomes a villain. Il vient de dire c'est la faute des parents de Scar, si Scar est mé méchant, parce que. il l'ont appelé Scar. Et j'aime bien aussi, euh, Voilà, euh, tu, tu montres ce personnage de. de Faux Alchimiste. T'as vu Faux Métal Alchimiste Le film qui montre que ce gouvernement de blanc, blond, aux yeux bleus, euh, provoque des guerres pour euh, voler des ressources et massacrer bah, des peuples, euh, clairement euh, typés Moyen-Oriental. Euh, tu veux pas parler de ça, tiens <laughs> il tape aussi sur métal alchimiste. Non j'espère que non. Euh... Scar, you can't a we... Et puis Oscar euh, c'est pas vraiment un méchant quoi, c'est plus un anti-héros qui, euh... qui fait des choses pas bien au début mais qui après trouve une meilleure façon d'accomplir de... son but qui n'est pas... Ouais, voilà, même... il a... Il a... Il a... Je crois qu'il a pas vu métal alchimiste. Et puis surtout, il euh, n'y a pas une histoire dans... Parce que je sais qu'il y a une série télé euh, La garde du roi lion qui raconte un petit peu les origines de Scar. Et je crois avoir compris qu'en fait Scar, c'est un nom qu'il a... Qu a fini par avoir, quoi. On a fini par le baptiser Scar parce qu'il a... Il a eu cette cicatrice. Mais avant, il avait un autre nom, non Je sais pas s'il y a des fans hardcore du Lyon qui peuvent me confirmer euh, qu'il a bien un autre nom, mais euh... il y a des arguments encore pires que moi quand je détestais Utopie euh, quoi. C'est du niveau, ouais. <laughs> je crois bien. Ouais, voilà. Et bah, c'est pareil pour, euh, pour le Scar de Faux Metal Alchimiste. Il euh, y a tout un truc où, en fait, on connaît pas son vrai nom. C'est euh, Il avait un nom avant et il s'est fait appeler Scar à cause de la cicatrice qu'il avait à, à cause de la guerre, quoi. Et après, il euh, on découvre qu'il avait un nom avant et qu'il aura un autre nom après, quoi. C'est. Fais euh, pas genre, c'est pa la faute des parents, quoi. We have one kid that you name Mufasa, you have that strong oh. name. Mufasa! Ooh. Ouais, euh, c'est méchant d'avoir nommé toi. Ah! Zero Origin, qui a envoyé euh, 10 bits. J'ai vu la garde du lion, et oui, Mufasa a donné Scar comme surnom après qu'il se soit pris une cicatrice par un serpent. Ouais, voilà, ouais, c'est bien ce que je pensais. Voilà, et là, il est en train de dire que, oh, les parents sont trop injustes d'avoir nommé le, leur premier fils euh, Scar, mais le deuxième euh, Mufasa, qui veut dire fort, mais euh, peut-être qu'ils avaient un autre nom pour le gosse aussi, tu vois. D'ailleurs, euh, justement, euh, ils, ils ont officialisé un autre nom ou... Scar. What does that make you A monkey's uncle. So what did you expect Also, I'm not saying that Mufasa deserves to be thrown off a cliff, but... bon, C'est la deuxième fois que tu le dis. Donc, euh, je sens plutôt le mec qui est sur le point de le justifier, mais qui dit quand même, hey, je ne justifie pas qu'il tue son frère, d'accord Je ne justifie pas qu'il tue son frère. Mais, tu vois, je crois qu'il vient de le dire, mais en plus. So what did you expect Also, I'm not saying that Mufasa deserves to be thrown off a cliff. Ouais, voilà, il mérite pas d'être jeté par-dessus une falaise. But there's a... Voilà, il a dit mais il a dit il a dit mais. <laughs> Attends, au début. Voilà. But there is a fundamental like moral dishonesty to Mufasa that I've that I always found deeply troubling even as a child the first time I saw. Voilà, il a toujours trouvé euh, Mufasa euh, moralement douteux. Euh, ouais, ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, tu vois, il y a pas mal de woke qui ont critiqué le film Le Roi Lion justement parce que c'est un petit peu un film pro-statu quo, pro-monarchie, tu vois. Genre, faut forcément qu'il y ait un bon chef, un bon roi pour que le royaume se porte bien. Fais pas attention au fait que l'on mange des antilopes ou que, on, qu on, que notre cycle de la vie c'est juste une justification à la con pour ce, ce, ce système. Où on se nourrit des, des autres espèces et tout. Euh, fais pas attention à ça et on a forcément raison, tu dois suivre cette tradition, tu vois. Il y en a beaucoup de, de gens comme Bolshigeek qui ont critiqué cet aspect et qui ont de bons arguments là-dessus. Donc, du coup, c'est bizarre de te voir dire Ouais, euh, ces gens de gauche ont peut-être raison. J'ai <laughs> même parents. Il a une morale ce film. Oui, genre, tu es tellement un alien, je suis sûr, que tu as dit quand tu étais tout gosse à tes parents, quand tu es allé voir le film pour la première fois, il y a de la ma malhonnêteté euh, morale de la part de Mufasa. Oui, je crois trop. Je crois trop que euh, les premiers mots que tu dit quand tu étais bébé, c'était dysphorie de genre. Tu es trop woke pour ce mec, clairement chez mon dieu, il va boire des larmes. Mom and Dad, I said that to them. And here's what. Il eats ses propres sujets. Une okay, minute, ils sont tous célébrant la naissance de son fils. Ils apportent des gifts ou quoi que ce soit, ils sont cher. Et le suivant, ils ne montrent pas ça dans le film. Mais Mufasa les hunting them down. Voilà, là, grosso modo, il fait tout le truc de geek, euh, euh... Mufasa, il arrête pas de bouffer les autres animaux et qu'il le justifie avec le cycle de la vie et tout. Donc ouais, c'est... en fait, tu es en train de remettre en question euh, le, un système euh, euh, pa patriarcal et statu quo, là. Donc t'es en train de faire une critique woke là en fait mec, euh... <laughs> tu t'en rends pas compte mais t'es en train de répéter ce que tous les mecs woke ont dit sur le roi lion là et tu tu prétends te pla et tu pour toi c'est c'est parce que ce film est woke. T'es débile <laughs> Oui, euh, les lions euh, mangent leur proie vivante. Oui, oui, euh, ça, ils le montrent pas dans ce film. C'est juste, ouais, mais euh, Scar aussi, en fait L'une des raisons pour laquelle son truc fout en l'air le, le, le système, c'est parce que justement, il, il fait pareil, mais euh, sans partager, euh, sans laisser faire le, 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 le cycle de la vie, quoi, il attend pas que la, les, les sujets se reproduisent, il les bouffe tous, en fait Et c'est ça qui fout la merde, donc là-dessus, euh, euh, Scar, il est en tort aussi, quoi T'essayes de montrer, oh, euh, ça il défend ce système, oui, mais le système de Scar, c'est ça, mais en pire, en fait à la fin, il n'y a plus de plantes, il n'y a plus d'antilopes, il n'y a plus rien, quoi, justement, parce qu'il a trop consommé, quoi. T'as pas suivi le film, t'as pas compris le roi lion. Et ça qui est dingue. Bah oui, parce que Scar fait pire. C'est con à dire, hein, mais euh, euh, là, le, le système des lions qui bouffent euh, leur, leur proie, c'est nul, mais ça l'est aussi quand Scar le fait. Qu'est-ce <laughs> que c'est un peu logique, mec. Donc, c'est pas que le méchant a raison, c'est que le film, il a des problèmes moraux, et ça, justement, euh, le... Bolshevik l'a très bien expliqué. You can understand Scar's resentment. And to make matters... Tu peux comprendre que Scar soit opposé à ça. Mais il est pas opposé à ça, justement Le mec... Le, le mec, il veut pas buter Mufasa parce qu'il est contre sa façon de faire, il veut buter Mufasa parce qu'il estime que c'est lui qui devrait être le roi T'as pas compris le roi lion, c'est pas possible. Worse, they acknowledge it in the movie. So Simba asks his dad. Dad, don't we eat the antelope? They were just at our baby shower and now like we eat them, and that's that's kind of not cool. Et oui, c'est vrai, c'est pas cool que les lions bouffent les antilopes. Oui, je suis d'accord. Mais Scar le fait aussi. À quel moment tu vas dire que Scar a raison, quoi? Mufasa says, "Well, son, that's okay because it's part of the circle of life. When we die, our bodies become the grass, and the antelope eat." C'est incroyable! Le mec il prétend se plaindre que le Roi Lion est woke, mais en fait, il est en train de faire une critique woke du Roi Lion. C'est incroyable. Si le mec savait ce que woke voulait dire, il fermerait sa gueule là maintenant. Ou alors, il se rendrait compte que les woke ont raison, quoi. Okay, but that is not the same thing at all. That is not an even trade. So give me a break. And also, your body doesn't even become grass, so that's bullshit to begin. Oh, bah, ton corps il devient pas de l'herbe et tout, euh, c'est un fertilisant quoi. Mec, euh, tu prétends être un scientifique et euh, chercher une explication scientifique à pourquoi une petite ne peut pas être noire, tu peux peut-être juste accepter que oui, il euh, y a certains animaux qui servent de fertilisant quoi. Et je ne suis pas against the lion être lion, je dis juste qu'il y a certain certaine intégrité in Scar's outlook and behavior. Ouais, mais Scar il est mieux parce qu'il est un peu plus intellectuel. <laughs> <laughs> il est au contraire plus sauvage que que fasse ça. D'ailleurs, ça me fait penser. Euh, là, depuis tout à l'heure, il commence à défendre un personnage Disney qui est queer codé, en fait. Tu vois, c'est un truc qu'il y avait dans pas mal de méchants euh, Disney dans les années euh, 80-90, où ils étaient queer codés, qui leur donnaient des, des façons de faire euh, qui étaient euh, codifiées euh, gay tu vois donc c'est assez marrant de le voir défendre un petit peu le mec homosexuel qui voulait euh, tuer le mec qui euh, euh, profitait de la population antilope quoi <laughs> intégrité intellectuelle le nazi oui on en parle de ça il y a, il y a toute une séquence musicale où il, on voit une ligue de faire une marche nazie quoi merde <laughs> that you don't find with Mufasa, that's my point number three. hola hola, hola, hola <laughs> Oh putain, me dis pas qu'il va vraiment dire que, que les méchants de Pocahontas avaient raison de vouloir tuer les Indiens. <laughs> non NON Je sais que c'est un gros con d'Américain euh, qui, qui veut pas qu'on remette en question le massacre des natifs américains, mais là non Waouh, <laughs> ouais, ce film... En, en vrai, ça devrait être son film préféré, Pocahontas. Tout le film, ça sexualise une gamine de 12 ans, il devrait adorer ça <laughs> bah oui, pour ans, dans la vraie histoire, elle avait genre 12-13 ans, quoi. <laughs> an uh... C'est une évidence même. Non, faut me l'expliquer, là parce que je suis désolé, mais le film qui te fait, qui explique, euh, que les natifs américains étaient autant en tort que les, les conquistadors, euh, non, je suis désolé, euh, non, c'est même pas des conquistadors, mais, euh, des conquérants anglais. Me faire croire que les colonisateurs et les natifs américains étaient autant en tort, non, je suis désolé, c'est pas woke. Ça, c'est, c'est même l'argument de base de tous les droits tard de merde, quoi. Oh là là, les, euh, ce film montre les euh, euh, conquérants euh, britanniques blancs comme étant des méchants qui euh, brutalisent les natifs américains. Quoi, tu, tu vas me dire que c'est pas arrivé tu, tu, tu veux vraiment aller dans ce débat là Tu veux être genre non, c'est pas arrivé les, les, les colonisateurs, ils étaient tous gentils, hein euh, Mec euh... <laughs> Quoi, parce qu'ils vivaient au-dessus de l'or comme dans Avatar. En plus, dans Pocahontas, il a même pas d'or ils pensent qu'il y a de l'or à cause de, euh, je ne sais quelle euh, connerie qu'ils ont imaginé par rapport à Marco Polo et tout euh, mais en vrai dans tout le film on te montre qu'il y a pas d'or. Là le fin, tout ce qui, le, le truc le plus précieux qu'ils qu ont c'est de la bouffe quoi. Ce mec t'as jamais suivi un seul cours d'histoire de sa vie, je me demande. Hein <laughs> all kind and generous and so in touch with nature they can literally talk to the trees. Oui, enfin ça c'est juste Pocahontas qui le fait, les autres natifs américains... Euh, parce qu'il dit ⁇ Oh les natifs américains ils sont parfaits, ils sont tellement d'accord avec la nature qu'ils parlent avec les arbres ⁇ De ce qu'on en sait, seul Pocahontas le fait On sait pas si les autres le font Et les autres, euh, les autres natifs américains sont aussi montrés comme des barbares. C'est ça aussi le problème de ce film justement. Que, il montre que les natifs américains et les, les personnes qui les ont massacrés sont autant en tort l'un que l'autre, quoi. Imagine s'ils si faisaient ça pour la seconde guerre mondiale. Ouais, les juifs, ils l'ont un peu cherché aussi pendant. Annule, annule C'était pour l'exemple C'était pour l'exemple <laughs> Whatever is talking, I want some. <laughs> Bizarrement, tout le monde parle anglais, mais. Mec, essaye de comprendre euh, la suspension d'incrédulité. Tu veux vraiment que ce film pour enfants et les personnages. Avec des dialogues en, euh, en je ne sais quelle langue de natif américain, sous-titré Tu attends vraiment ça Non, évidemment, y a, ça, on fait ça depuis des années de tricher un petit peu sur les langues en, en montrant euh, euh, un peuple asiatique ou euh, égyptien euh, parler euh, parfaitement anglais. Voilà, C'est un truc qu'on fait depuis toujours parce que c'est des films qui s'adressent à un public de telle langue. Je, je sais pas quoi dire au bout d'un moment, quoi! <laughs> is, uh, like the... Et puis aussi, il y a un moment où il parle justement de la différence de, de langage, quoi! Justement, la première rencontre avec John Smith, euh, ils se comprennent pas parce qu'ils parlent pas la même langue, mais euh, magie de la nature et tout, tu peux, finis par avoir une connexion avec elle, et voilà, quoi, ils parlent la même langue! Donc, encore une fois, il a pas suivi le film, quoi! Il y a littéralement une scène qui montre que non, ils ne parlent pas la même langue! Voilà, merci! <laughs> ouais, trop bizarre, les animaux réagissent comme des humains, encore de la faute des hauts, <laughs> Plus on parle de ce genre de mecs qui inventent qu'ils sont grands remplacés dans les films parce qu'il y a parfois des femmes ou des noirs. Ouais voilà quoi. Grand remplacés alors que t'as toujours euh, Expendables, euh, Jurassic World, Fast and Furious, Mission Impossible et je ne sais quel autre euh, blockbusters avec des, euh, que des blancs quoi. Ils ont dû trouver un Bubblefish euh, pour pouvoir euh, parler entre eux. Je sais pas ce que c'est un Bubblefish j'avoue. Euh. Pourquoi tout le monde parle espagnol <laughs> Noble Savage Myth, put the film. It's also really. We talk de wokeness in Disney films Disney. C'était le début de la grande marche euh, woke de Disney. Donc tu es en train de dire que le wokisme de Disney a commencé dans les années 90. <laughs> Aussi je sais pas c'est quoi que, comme pays, je suppose que c'est euh, euh, genre la, la, la Russie ou, euh, ou la Corée, je ne sais pas. C'est tellement flou là mais... Euh, Peut-être la Chine Ouais, je suppose que c'est la Chine, on vu des trucs, là, et que... Ouais, euh, wokisme le communisme Mec, euh... Tu vas vraiment dire que les Chinois sont wok <laughs> Corée du Nord, merci Voilà, j'étais pas sûr parce que je m'étais arrêté à... Non, merde, voilà, je m'étais arrêté à ce plan-là, quoi. Et puis, euh... Dire que Pocahontas c'est le premier film wok, mais ferme ta gueule, quoi. Déjà... Les films que tu as tu as critiqué tout à l'heure, ils étaient euh, soi-disant woke et ils sont beaucoup plus vieux que Pocahontas. Ferme ta gueule, t'es même pas logique avec toi-même. Mais en plus, euh, bah tu es en train de niquer euh, l'argument comme quoi euh, euh, le wokeisme c'est un truc moderne qui, euh, qui, qui vient des millennials. Parce que là, tu nous montres que des films qui existaient avant que les millennials naissent euh, étaient le début du wokeisme, quoi. Non et puis, euh, t'es en train de dire que c'est woke de critiquer le massacre des natifs américains. Tu, tu vas nous dire que c'est woke de critiquer euh, pratiquement un génocide Vraiment <laughs> Ah oui, la Corée du Nord est trop woke, un gouvernement totalitaire. <laughs> ouais, bien sûr, il aimé le, le drapeau. Euh, donc, d'accord, tout à l'heure c'était la Corée du Nord, c'est ça la, 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 Les images qu'on a vues c'était la Corée du Nord, et maintenant il montre le drapeau chinois. <laughs> Vous oh, pouvez arguer que cette marche a avec la propagande végétarienne. La propagande woke a commencé avec la propagande végane. Ça veut dire quoi woke au bout d'un moment, crétin Je <laughs> l'avais case... pas fait les Bambi, c'est de la propagande végane. Il en est vraiment là, cet abruti. Il vient vraiment de dire premier degré que Bambi, c'est de la propagande végane. Et en plus, justement, il vient de relever que ah, je me suis contredit moi-même. Je dis que Pocahontas, c'est le début du woke chez Disney, mais en fait, Bambi, ça avait commencé aussi, mais décide toi quoi Woke égale pas de droite. À croire À croire quoi <laughs> The white settlers in reality were courageous and intrepid pioneers. Non. Oh, je, je vais la remettre pour être sûr. Well, you could argue that march began with the vegetarian propaganda of Bambi, but in any okay. case les conquérants blancs de cette époque étaient en réalité courageux et braves. Le mec, il y croit... euh, Mec, si tu te renseignais sur la véritable histoire de, de... de John Smith, courageux, c'est pas du tout ça. Le mec, littéralement, il a provoqué un massacre juste parce qu'il avait peur des natifs américains. <laughs> Bad be like, t'es les genre sale, wouk. <laughs> wow, même moi qui manque de, qui mange de la viande, je suis ouais, pareil, moi aussi je mange de la viande, mais euh, faut arrêter avec la propagande euh, vegan, quoi. Calme-toi, mec. <laughs> Ouais, il va nous faire le coup de la part positive des conquistadors. Ah mais totalement, hein On parle d'un mec qui pense que l'esclavage, c'est bien parce que ça a permis des aux noirs de quitter l'Afrique <laughs> Tu vois, c'est tellement l'argument de South Park de... qui était de mauvaise foi, là Ouais, ok, partir en Amérique, ça demande un certain courage. Euh, c'est surtout parce qu'ils étaient cons, euh, ils espéraient arriver en Inde. Et ils se sont trompés de sens. Mirrors, not villains. Ouais mais mec, tu dis ça alors que le film Disney montre que justement parmi les, les, les pionniers il y avait aussi des gens courageux quoi. Donc euh, t'es en train de dire que le film a raison de montrer John Smith comme ça. Donc il est pas si beau que ça ce film. houses T'as déjà fini <laughs> Non, juste parce que euh, les, les blancs ont forcément raison quoi. c'est ça son argument. C'est ça son argument contre euh, Pocahontas. Les méchants ont raison parce qu'ils sont blancs. <laughs> c'est tout T'as même pas parlé du méchant T'as parlé de John Smith surtout Et John Smith, c'est pas un méchant dans ce film Tu sais que c'est pas un méchant dans ce film T'as même pas parlé de Radcliffe T'as même pas dit le nom de Radcliffe Le mec qui va... En même temps, oui, bonne chance pour défendre Radcliffe. Le mec qui ment volontairement en faisant croire qu'il y a de l'or alors qu'en réalité, il n'y a rien, quoi donc là, ouais, voilà. Là, on arrive à Blanche-Neige, et là, ça va être magnifique. Parce que pour rappel, Daily Wire, le studio pour lequel Matt Walsh fait cette vidéo de merde, il est sponsorisé par Daily Wire. Hein, on peut voir sa tasse où il y a le logo de Daily Wire. Hein. Et ben là, il va te dire que la méchante de Blanche-Neige a raison. Et euh, les mecs de Daily Wire, ils font un, une adaptation fidèle de Blanche-Neige en disant Ouais, c'est mieux comme ça que par rapport au remake Disney. T'es en train de te saboter tout seul là en fait mon gars. <laughs> on est à combien de temps Ah bah là euh, il a dit qu'on euh, a fait la moitié. Ça, ça, ce qui veut dire que là les deux derniers ça va être encore plus long. J'espère hein parce que putain le niveau d'argumentation euh, c'était nul à chier quoi. Regina Mills... Ah non mais... Euh je pense qu'il parle seulement de la version du de, des film des, des années 30 hein. je pense pas qu'il va parler de Once Upon a Time ou des autres versions où on essaye de donner une motivation compréhensible euh, à la méchante reine, il y a ça aussi parce que la méchante reine de Blanche-Neige, c'est un personnage tellement maléfique, que du coup, on essaye d'inventer des histoires sur pourquoi elle est aussi méchante. Justement, parce qu'on peut pas accepter le fait que, voilà, elle est, force, euh, elle est diabolique à ce point. Parce que, justement, dans cette version-là, dans cette version pure, 100% fidèle... 100% non, mais... Euh, voilà, la, une des versions les plus fidèles qu'on connaît, c'est une connasse Justement Oui, on sait, Blanche-Neige, c'est son nom, donc elle doit être blanche, j'en ai assez... C'est, euh, j'ai été assez con pour sortir cet argument une fois. Je réfléchirai euh, pas assez ce jour-là. Ouais, oui, voilà. Euh, moi, moi, en plus, je prépare une vidéo sur les adaptations de Blanche-Neige. Il y a beaucoup d'adaptations où la nana, elle, elle s'appelle même pas Blanche. Tu vois. Donc cet argument, elle marche pas tout le temps, quoi. <laughs> Pourquoi la sorcière de Blanche-Neige est méchante Parce que c'est une <laughs> oui, pub d'Orangina, quoi. Bah, en vrai, euh, l'argument de la pub d'Orangina, c'est limite ça euh, pour euh, Radcliffe pour quoi. Techniquement, sa vidéo, c'est ça, un nice argument. What about you back up with a source My SOURCE is at a middle fuck up! <laughs> Snow White. Now, this is another case where I'm not so much claiming that the evil queen was wholly justified in her. Pff, il essaye encore de faire de la nuance, genre. Euh, je dis pas qu'elle est complètement nuancée, mais dans ce cas, elle la met pas. Euh, je dis pas qu'elle a complètement raison, mais dans ce cas, elle la met pas dans ton top de merde, quoi! Mais des personnages que tu penses qu'ils ont raison depuis le début, quoi! Euh, N'essaye pas de faire genre, ouais, je pense pas qu'elle ait complètement raison ou quoi que ce soit, mais. Euh... Mais pour à quoi elle sert ta vidéo, alors <laughs> Je... t'essaye de nuancer l'histoire où... Une nana veut tuer une autre nana juste parce qu'elle est plus belle qu'elle <laughs> Ah, alors à zéro origine, qui a envoyé un autre 10 bits, Mais du coup, le gars qui est en mode les hommes avant tout euh, défend une femme, du coup Oui, oui, il oui, y a ça, ouais, c'est... Ça m'étonne aussi que ce mec ultra-sexiste et tout, il défend une reine... Voilà une femme au pouvoir. <laughs> Attends, il montre pas que Maléfique a raison Bah oui, mais Maléfique... oui, oui, justement pourquoi il Maléfique c'est tellement facile. Oui, évidemment que qu'elle veut se venger, ces connards, ils l'ont pas invité, juste parce qu'elle c'est est, est une sorcière mais euh, c'est des gens tellement racistes mais ah, bien sûr. Oui, non, il parle pas de ça parce que ça voudrait dire ça voudrait faire euh, critique du racisme et bien entendu euh, <laughs> il, il est pour le racisme ce con là. J'ai qu'une en, qu envie, le tomber et le raser pour me la jouer Aldo et la pâche. <laughs> non, non, commence pas les. On va pas répondre au racisme avec du racisme, ok Blanche-Neige a 14 ans. Oui, il y a ça aussi. Je <laughs> suis sûr qu'il fantasme sur Blanche-Neige aussi. Il <laughs> okay. y a quelques nuances, il quelques complexités, mais euh, bah, pas dans cette version de Blanche-Neige, hein. Euh... Did Snow White deserve to be poisoned with an apple Non. Voilà, donc là, il vient de dire que non, Blanche-Neige ne mérite pas de se faire empoisonner avec une pomme. Ok Donc, en quoi elle a raison, du coup, parce que c'est littéralement tout ce qu'elle fait dans ce film. Putain, mais il va nous sortir l'argument, euh, Blanche-Neige mérite de mourir parce qu'elle est conne. Là, il est en train de dire, euh, c'est de sa faute, elle avait qu'à pas accepter euh, une pomme. Mais mec, euh... t'as même pas compris Blanche Neige en fait. Tout le truc, c'est que Blanche Neige, c'est la, c'est l'innocence incarnée quoi. Mais non, c'est juste du victim shaming. Mais oui, c'est totalement ça, c'est du victim shaming. Alors que tout l'intérêt de cette histoire, c'est que justement, une personne pure qui se fait avoir par un piège, par un, un trésor, euh, par une offre innocente comme celle de donner une simple pomme. T'es en train de dire que c'est de sa faute Non, c'est de la faute de l'autre connasse qui lui a fait bouffer une pomme empoisonnée quoi. Donc là c'est niveau robot chicken mais au premier degré, mais oui <laughs> Et encore le, le sketch du Robot Chicken, on parle bien de celui où Blanche-Neige refuse la pomme parce que euh, elle est pas assez organique ou quoi, non Salut quand sort les tes top et flop en, en fin de janvier, fin du mois. Yes, absolument. She never... Oui, mais ça fait partie du personnage qui justement euh, est tellement naïve qu'elle se fait avoir par euh, la, la première proposition. Et puis, elle met dix minutes à la convaincre à bouffer cette putain de pomme aussi. Ça, ça t'oublie un petit peu ça dans ce film. Elle met un petit peu 10 minutes à s'y mettre quoi. Mais oui, mais tout le truc, c'est pourquoi t'aurais peur d'une pomme? Justement, c'est tout, euh, tout l'intérêt de cette histoire. Justement, de, de se méfier de, de quelque chose qui paraît pur et innocente, et qui en réalité est un piège mortel. C'est tout l'intérêt. Um, the... Alors je suppose que c'est en euh, référence à un mème ou quelque chose comme ça, euh, ce qu'il vient de sortir, mais voilà. Quoi, Il essaye d'être mémable là, mais... Euh, pff, euh, voilà. Surtout que le film est une grosse métaphore. Mais oui, c'est euh, même pas un film qui essaie d'être réaliste ou quoi. Puis aussi, mec, t'es en train de donner raison. Euh, au film Disney, euh, au remake Disney qui est en train d'arriver et qui va probablement changer ça. Parce que oui, on a eu des tas d'adaptations où Blanche Neige a refusé la pomme. Hein. Euh, celui de Tarmside Sight Side et tout qui, est, euh, qui se veut ultra féministe et tout. Euh, et euh, le remake, euh, il a l'air d'être bien parti. Vu, tu te plains que le remake Disney euh, va pas montrer Blanche Neige comme quelqu'un de d'innocente et de faible et qu'elle qu aura pas besoin de prince pour être sauvée. Donc du coup, ça veut dire qu'elle va pas se faire avoir par le coup de la pomme. Du coup, t'es en train de dire que Disney a raison de faire un remake de ce film ou elle bouffe pas la pomme Tu vois, c'est le problème aussi de ceux qui euh, se moquent des classiques Disney pour ensuite se plaindre des remakes. Ces remakes existent justement à cause de toutes ces blagues qu'on a fait sur les sur les, les, les classiques de Disney. Euh... Euh, la, be euh, be euh, la belle et la bête, euh, Syndrome de Stockholm, tout ça machin et tout. Euh, justement, on fait ce remake pour atténuer le côté euh, Syndrome de Stockholm. Et c'est pareil pour le remake Disney, quoi, de Blanche-Neige. Euh, on, ils l'ont ils dit dans le marketing et tout. On fait ce film justement parce qu'on n'a pas arrêté de se plaindre que Blanche-Neige, c'est une, une demoiselle en détresse qui a tout le temps besoin d'être sauvée. C'est à cause de ce genre de critiques-là que les remakes Disney existent. Vous justifiez les remakes Disney, là

Ouais, c'est, elle est, c est bien ta comparaison au, au fait que la, la méchante sorcière, euh, c'est un petit peu les, les pédophiles qui essayent de choper des gosses en les attirant avec des bonbons et tout, parce que c'est, c'est un petit peu à ça que ça sert le compte, justement, mettre en garde contre ça. T'oublies un petit peu que, c'est une gosse, Blanche-Neige en fait. Pourquoi Data? Bah, je suppose qu'on va le savoir. Kind <laughs> of laugh. never mind that ah, C'est le seul exemple de, de, de rire diabolique qu'il a trouvé. Non et puis mec, tu viens de sortir un extrait de Star Trek, la série la plus woke du monde. <laughs> T'es débile. is <laughs> Tout, Toute l'histoire de, de blanche c'est à propos de, de de gens qui entrent par effraction chez vous. Et qui vous envahissent, mais... <laughs> oh non, mais... Euh... Mec, tu bosses pour des gens qui veulent faire un film là-dessus pour amener la pureté du conte original, et là tu critiques le conte original. T'es en train de justifier la raison pour laquelle on fait des tas de modifications à ce genre de compte là <laughs> Oh putain, oh putain, oh putain... Oh putain... Il vient de dire que les sept nains ont des problèmes mentaux. Genre, c'est vrai que la psychophobie, on n'était pas encore arrivé là. <laughs> Jiminy Crickets. Who aren't even half her size makes herself at home. What Now... bah, elle pensait que la maison était abandonnée en fait. Et... Il <laughs> y, a, y a ça aussi que tu mets de côté, c'est que la maison est délabrée et tout, et qu'elle pensait qu'elle était abandonnée, quoi. Parce que là, il est en train de dire, oh, elle s'invite chez des gens euh, euh, sans, sans prévenir, voilà. Euh, mais mais, 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 elle, comment elle pouvait savoir que la maison était abandonnée que, et, Comment elle pouvait savoir que la maison était habitée C'est une maison abandonnée en pleine forêt, évidemment qu'elle va croire que. Mais du coup, tu, ton argument, ça marche aussi pour Boucle d'Or Ça marche pour tous les comptes, là, à partir de là, quoi. La porte était en plus ouverte. Ah, c'est possible C'est possible que la porte était ouverte. Je me souviens pas assez du film pour ça, ça fait un moment que je l'ai pas revu. Faudra que je le revoie pour la vidéo dont je parlais, mais voilà, quoi. La maison était tellement sale qu'elle avait l'air abandonnée exactement. Mais le mec, il a pas compris le film quoi, il comprend même pas les contes qu'il adapte quoi. The grow attached to her, so you might say oh, they're friends. Bah oui. Justement, ouais, si même les propriétaires sont pas dérangés par sa présence, pourquoi te plaindre Euh non, they étaient... They, they were terrified when they first got comme Like anybody would be bah, ils étaient terrifiés avant qu'ils sachent que c'était juste une, une nana de 14 ans euh, qui faisait rien de mal, quoi. Ils pensaient que c'était un, une créature horrible et tout, mais c'est pioche, c'est pas pour la, la gamine, ils, ils savaient pas que c'était encore une gamine, quoi. Ouais, voilà, tu montres des extraits qui montrent qu'ils avaient pas compris que c'était juste une gamine, quoi. Elle, avait, elle a lavé la maison, elle a pas d'hygiène pour une pomme. Bah, à l'époque, euh, ouais, euh, on n'avait pas vraiment d'inquiétude sur euh, l'hygiène, la, la, sur la nourriture, quoi, C surtout des pommes Les pommes, tu les trouvais par terre, évidemment, tu les nettoyais pas, quoi Oh, putain, il a sorti l'argument du syndrome de Stockholm Donc voilà Voilà, c'est à cause de ce genre de réflexion qu'on se retrouve avec les remakes Disney nuls, quoi coffin parce qu'ils avaient un coffre de couleur de couleur de couleur de couleur. Bah. Euh, de ce que j'ai. Oui, ils ont un cercueil de verre qu'ils ont construit eux-mêmes. C'était pas expliqué ça dans les, dans les critos ou quelque chose euh, qu'ils l'ont fait euh, Ils travaillent dans une mine. Ils ont le matériau pour faire du verre, non Ils ont une question de leurs motifs, franchement. Et ils displayent son corps pour plusieurs jours jusqu'à ce qu'un prince qui n'a jamais rencontré elle avant, OK, arrive de n'importe où. Ouais donc tu es en train de confirmer que cette scène de baiser peut être euh, interprétée comme un viol euh, nécrophile en fait. Donc tu tu te... Tu es donc d'accord avec toutes les personnes euh, wo qui soi-disant veulent censurer ce baiser en fait. Mec tu te rends compte que tu fais une critique de LJW là depuis tout à l'heure Never met her, c'est le prince. Oui, il avait pas vu le début du film. Dans cette version, justement, ils se sont vus avant. C'est dans le conte original qu'ils se sont pas rencontrés avant, mais dans le film, ils se rencontrent avant. <laughs> oui, mais non, mais euh, mec, euh, c'est un, un conte de fées, le corps forcément, il va pas être décomposé comme ça et euh, clairement, c'était un baiser d'adieu. Tu vois, c'est ça aussi pour ça que autant, voilà, je veux bien faire que le critique bouge des trucs, mais le coup du baiser, voilà quoi, c'est clairement un baiser d'un deux, c'est pas de l'abus ou quoi que ce soit, c'est pas vu comme ça, mais mais voilà quoi. Oui, c'est bien. Tu as lu des blogs datant des années 2000 euh, parlant du mauvais côté, euh, du côté sombre des films Disney, là. Ferme ta gueule, quoi. T'as 20 ans de retard, quoi, mec. Think about it. Like an Which means the evil queen is maybe still evil, but her actions should at least be understood in proper context. And maybe you could argue that she even was an advocate for private property rights. La méchante reine avait raison de la buter parce que c'est une avocate des droits de propriété. petit instant, petit instant, petit instant. Alors. Voilà. Alors, dans mes recherches pour la vidéo dont je parlais sur les adaptations de Blanche-Neige, je suis tombé sur ceci. Voilà. Ça s'appelle Blanche-Neige euh, rouge sang, voilà. Et c'est une très chouette bande dessinée écrite par Neil Gaiman, le mec qui a fait Sandman, euh, qui a coécrit Good Omens, oh voilà, un très bon gars, très super scénariste britannique. Et grosso modo, c'est euh, le conte de Blanche-Neige, mais en version un petit peu glauque. Voilà, au grosso modo, Blanche-Neige est une vampire. Que la méchante reine a essayé d'arrêter et euh, qui, euh, qui a essayé d'épouser le, le prince, mais que le prince était nécrophile. Voilà, et le, le prince a donc ressuscité volontairement euh, la vampire Blanche-Neige. Voilà, et donc ramener la terreur dans, dans, dans le royaume. Et euh, Blanche-Neige a réussi à la vaincre en réécrivant l'histoire pour donner l'impression que la, la reine était la méchante de l'histoire. Et tu vois, ça, c'est une réinterprétation très intéressante et très intelligente, très jolie en plus, hein, parce qu'on a de, de très beaux. Je vous montre pas les parties érotiques, mais euh, même les parties érotiques du, de la BD sont très jolies et très poétiques, voilà. Et tu vois, c'est une réécriture très intéressante qui a du sens, qui apporte du lore, etc. et tout, euh, mais qui euh, justement parle plus du fait que les histoires se font réécrire. Et là, il y a un propos intéressant justement sur tous les défauts euh, qu'on peut reprocher au conte original et tout, et euh, où, pour le coup, la reine est vraiment dans son droit, quoi. Elle est vraiment l'héroïne de l'histoire. C'est juste que c'est une héroïne qui perd à la fin, quoi. Donc, du coup, voilà, quoi. tu euh, Là, c'est une bonne proposition de, et si la reine avait raison. Mais pour ça, tu dois justement euh, mentir, tu dois justement apporter du lore, rajouter des trucs, et etc. Quoi. Il avait fumé, quoi. Mais non, mais il n'a pas besoin de fumer, quoi. C'est une interprétation très intéressante et tout. Hein. Je vous conseille la, la lecture, quoi. Mais du coup, ouais, voilà. Euh, <laughs> Au moins, il arrive à faire quelque chose d'intéressant en réécrivant le compte de cette façon. Là, qu'est-ce qu'il essaye d'accomplir Il essaye de forcer sa politique de... Euh, ouais, c'est pas bien les gens qui rentrent par infraction chez les gens, mais... Mec, personne ne reprochait, vrai... Si, il y en avait, mais il le faisait de mauvais soi, quoi. Genre, c'est vraiment, tu prends, premier degré, des blagues, et t'essayes vraiment de... de forcer ta politique dedans, quoi. C'est... <laughs> voilà, Neil Gaiman a un point à passer, Bl euh, Matt Walsh, et si la Blanchetage avait mérité de crever Ouais, voilà quoi <laughs> Evil Queen anti-squatteuse, oui c'est ça quoi, il essaye de faire passer la méchante reine pour une anti-squatteuse quoi. C'est un meilleur What If que What If. Ouais, voilà exactement quoi, c'est euh, une autre vision, tandis que là c'est juste réécrire euh, un film que t'as pas compris quoi. Alors, Pamplemousse des mers 64, merci pour les 10 bits. Salut MJ, j'aime bien quand tu fais ce genre de live où tu réagis à des films ou des vidéos YouTube. Continue comme ça le bon travail. Bah, ravi que ça te plaît, justement. Euh, J'étais pas sûr que le sujet allait intéresser tout le monde, mais je suis ravi de voir que finalement si. C'est comme les livres euh, Twisted Tales, Fable. Euh, oui, oui, voilà, c'est justement les réinterprétations et tout, c'est toujours quelque chose d'intéressant, quoi, parce que les contes. Voilà quoi, ça sert à rien de faire une adaptation fidèle des contes comme le Daily Wire va bêtement faire avec leur adaptation de Blanche Neige quoi. Parce que non, justement, faites des propositions différentes et tout. Le problème des remakes Disney, c'est que d'un côté ils essayent de proposer un truc nouveau, mais de l'autre côté ils veulent quand même rester dans les sentiers battus de l'original pour euh, faire de la nostalgie. Du coup, euh, dire que le problème de ces remakes c'est du Walking, c'est absolument con quoi. En fait, là on est arrivé à un stade avec tout ce qui s'est passé en 2023. Il faut être incroyablement con pour dire que Disney est woke. Je veux dire tout ce qu'ils ont fait durant la grève, euh, leur traitement des, des équipes, euh, le fait qu'ils se sont fait choper à censurer des couples gays dans des séries de télé, et des films et tout. Euh, là, on a la preuve ultime qu'ils sont pas woke. Même chez Marvel, voilà qu'on n'arrête pas de dire que oh Marvel est, euh, force le walking et tout. Secret Invasion, c'est le truc le plus droitard, raciste et propagandiste de pro-gouvernement que j'ai jamais vu. C'est littéralement. Euh, une série sur le grand remplacement quoi. C'est à ce point quoi. Disney fait semblant d'être woke. Exactement. Disney te, essaye de te faire croire que t'es woke. Mais finalement les seuls qui sont assez cons pour le croire, c'est les anti-woke. Parce qu'il leur faut absolument un ennemi à combattre. Euh, alors que les, les personnes qui sont un minimum woke, eux au contraire, ils voient très bien que Disney se fout de notre gueule quoi. Non, non, mais celle de Matt Walsh, euh, pas la mine. d'autres hein, euh, euh, discussions sur laquelle je suis tombé. C'est un peu ça le problème avec les chats, c'est que quelquefois je vois un commentaire, je crois qu'il s'adresse directement à moi. Mais en fait, c'est les gens qui discutent entre eux. Désolé. Ils peuvent pas être woke, euh, le, les woke combattent le système Disney et le système. Exactement Il peut y avoir des films woke, tu vois. Je, si je devais citer un film woke euh, dans, dans l'industrie Disney dans ces dernières années, ce serait à la poursuite de demain. Parce que tout le film, c'est justement critiquer ce système que de monde parfait que Disney essaye d'imposer. Avec, il euh, euh, y, y a carrément toute une séquence qui critique le fait que Disney possède Star Wars à un moment quoi. De, euh, <laughs> Donc, euh, mais ce, ce film-là, Disney l'a pas trop mis en avant. Voilà, ils ont fait un petit peu de marketing, mais ils se sont arrêtés là, ils l'ont laissé crever. Et de l'autre côté, ben ils continuaient à faire ce que le film critiquait quoi. Genre, c'est juste les individus. Qui, qui peuvent être woke dans l'industrie. Mais sinon, euh, Disney en lui-même peut pas l'être, il peut pas forcer du wokeisme. Ce qui fait que du coup, chaque fois que quelqu'un euh, parmi ses crétins se plaint de wokisme dans un film, en réalité, il se plaint que l'artiste essaye de faire son truc, et il sont en train de plaindre que le producteur n'a pas censuré. C'est ça, en fait, ce qui se passe chaque Thomas. fois qu'il qu parle de wokisme, C'est exactement ça. Euh, c'est ce qui se passe avec Bob Iger. Justement, Bob Iger dit euh, voilà, les artistes, euh, ils sont trop focalisés à essayer de faire passer un message que faire un film divertissant. Confirmant ainsi que Disney n'est pas du tout woke. Et euh, tout ce que les gens comprennent, c'est ouais, Bob Iger est contre le woke et tout. Ah mais du coup, vous êtes contre les artistes en fait. Vous êtes pro producteur, anti artiste. The Whole House critique l'ordre établi, on va dire. Oui, voilà, Whole House, on peut le considérer que, comme woke. Il y a quelques trucs qu'on peut considérer comme woke dans les productions Disney, mais ça le fait pas de Disney. Quelqu'un de woke, de la même façon que euh, le film Barbie critique Mattel, mais euh, c'est toujours Mattel qui fait de l'argent dessus, tu vois. Il n'y euh, a pas de nuance dans, leur, euh, dans leurs analyses sur le woke, etc. Il suffit juste qu'il y ait un petit peu de représentation, boum, c'est woke. Alors qu'en réalité, c'est plus nuancé que ça. La, la plupart du temps, euh, c'est juste des films qui ont un message qui arrive à passer malgré les, les mailles du filet, quoi. Si Matt Walsh regarde Berlin Bianca, il va péter un câble. Non seulement c'est un classique Disney pro féministe, oui, oui, parce que c'est Bianca qui met de la danse dans le, dans le truc avec des personnages comme Miss Bianca ou encore Penny. Penny, le figure féministe, je dirais pas. Bianca, par contre, oui, oui, euh, tout à fait. Mais en plus, les deux héros principaux, c'est littéralement un capitaliste américain et euh, une communiste hongroise. Ouais, ouais, mais tu rigoles, mais c'est ça, oui. Encanto. Encanto, pareil justement euh, c'est euh, la remise en question des des traditions euh, et de 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 systèmes de systèmes mis en place par voilà bon, c'est une patriarche mais euh, ça ça peut marcher aussi tu vois c'est pas c'est c'est pas juste euh, les patriarches que ça critique ça devrait euh, critiquer tout système euh, oppressant quoi et justement ça montre que euh, ce système ça ne convient pas à tout le monde et il faut faut le prendre en compte quoi euh, woke, tout ce qui est pas un mec euh, blanc pour eux. Exactement, est ce qui est con parce que tu as des tas de films avec euh, des blancs qui sont woke. Hein. Euh, justement, euh, euh, 12 hommes en colère, par exemple, euh, c'est un film qui critique à fond le, le, le système judiciaire et le racisme banalisé. On peut le considérer comme un film woke. Hein. Alerte rouge. Alerte rouge, c'est compliqué, tu vois, parce que oui, il euh, y a un petit peu la remise en question des valeurs, etc. Mais il y a quand même euh, cet euh, entre-deux, tu vois. Euh, avec la mère qui finit par se réconcilier avec l'enfant et tout voilà il y, y a quand même cet entre deux qu'il faut accepter et tout puis voilà euh, la façon dont la gamine se libère c'est en, en adhérant au mode moderne et au groupe de, de musique du moment quoi il y, y, y a mieux comme euh, émancipation euh, féminine quoi <laughs> et je dis ça alors que j'adore le film attention hein euh, mais euh, alerte rouge je critique certes les surprotection parentale mais ça non arrête arrête d'insister c'est pas un mauvais film. Alerte rouge. Arrête. Hein, J'aurais plus dit Lucas élémentaire que alerte rouge. Euh, élémentaire, pas trop, tu vois. Ça, parce que ça, ça, résume quand même les problèmes du, du racisme aux personnes concernées, tu vois. Genre, euh, vous vous plaignez de, de racisme, et finalement, vous êtes tout aussi racistes les, les uns que les autres, quoi. C'est, je dirais pas que c'est complètement bon, malgré le, leur message, quoi. Lucas, par contre, peut-être un peu. Justement, euh, se permettre de sortir un petit peu des trucs, etc. Mais voilà, quoi. Hein, vice-versa, en vrai, avec un système plus égalitaire entre chaque émotion qui est aussi important. Ouais, mais ça, c'est plus euh, psychologique, tu vois, c'est plus... Euh, euh, montrer que faut accepter que les, les, les émotions qui semblent négatives et désagréables, parce qu'elles font partie de la vie, quoi, c'est surtout ça, quoi, c'est... Je peux pas si... Je pense pas qu'on peut se le forcer dans, dans la case, quoi. Le seul film woke pour moi, c'est Avatar. Oh bah, il y a plus qu'Avatar, mais... Ouais, euh, Avatar, on peut le considérer comme woke, ouais. Traiter le racisme que juste comme un problème individuel et pas woke. Exactement, c'est exactement ce que j'essaie d'expliquer. C'est que, euh, justement on dit que Wish est un film woke parce que euh, « Oh, euh, euh, le méchant roi qui contrôle le monde, euh, voilà, c'est lui qui, qui oppresse les gens et tout », mais euh, bah non, parce que si c'était un film woke, ce serait le système entier il serait abattu. Là, le problème est réglé juste en dégageant le le connard. Et encore, le mec il devient connard juste parce que euh, il est perverti par de la magie, quoi. Euh, la motivation euh, est un petit peu gâchée, quoi. Mais le problème est réglé juste en mettant la, la reine à la place. C'est un peu bof, quoi. C'est le retour du sauveur blanc. Ouais, mais ils vont plus plus loin que le sauveur blanc, tu vois. D'accord, qu'on peut critiquer cet aspect-là, mais c'est un peu un peu plus nuancé là-dessus, je trouve. Il y avait pas le film Buzz Lightyear aussi. Buzz Lightyear? Oh ça, faudrait un petit peu la fouiller mais ouf. voilà quoi parce que c'est quand même un individu un individu qui veut se, se battre contre le système et qui se rend compte que le système avait raison quoi enfin raison pas pas trop non plus mais en partie raison quoi il faut pas buter le roi faut il faut buter le royaume MDR. oui voilà c'est un petit peu ça quoi voilà alors on va finir parce que là je pense qu'on arrive au au dernier Pourquoi elle était Mec, euh, arrête de faire croire que la reine, elle voulait tuer Blanche-Neige juste pour une hein, question de propriété privée. Non, on le sait tous pourquoi elle... Euh, tout le monde sait pourquoi la méchante reine veut tuer Blanche-Neige. Parce qu'elle est plus belle qu'elle. C'est littéralement dit dès le début, quoi. Number five, finally, is beating the beast. Now we've oui, alors, euh, pour la belle et la bête, je sens venir que... qui va, qu va traiter euh, Belle de pute et euh, que Gaston a raison de la forcer à se marier et tout... Euh, Disney est tellement beau que justement lorsque The House critique le système et encourage à ne pas se laisser enfermer dans des cases, il cancel la série. Ouais, voilà exactement. <laughs> MJ, tu as déjà vu Wish Oui, je l'ai vu et je l'ai pas trouvé pas ouf, honnêtement. Syndrome de Stockholm on approche. Non, vu qu'il va parler de Gaston, je pense qu'il va surtout se plaindre euh, que que Blael est une adnumeuse ou une connerie comme ça quoi. Euh, machiste comme il est, je suis sûr que c'est ça. Non, non, fais pas un documentaire disant que Gaston avait raison. T'as pas compris la bête? Uh, Gaston is the quintessential villain who was actually the hero of the story. Incroyable, tu, tu viens justement de démontrer que t'as pas compris le film parce que justement euh, Gaston, il a les caractéristiques des princes de contes de fées qui sauvent la princesse, sauf que là, c'est montré comme euh, problématique. Justement, c'est tu, tu viens de souligner le truc, mais t'as pas compris le film en fait. Hello, Belle. Bonjour Gaston. And I will insist on this until my dying breath. Ah et euh, oui, je veux défendre Gaston surtout dans cette scène où il dit où il montre qu'il est illettré et que seuls les crétins lisent. Les lire, ça sert à rien. We're supposed to hate Gaston from the beginning because why? Parce qu'il emmerde Belle, il veut l'épouser sans demander son avis, euh, se fout de, de sa gueule, se fout de la gueule de son père et euh, critique ses, euh, sa passion pour la lecture. C'est de bonnes raisons de les détester. Moi, je suis désolé. Hein. He's manly and in good shape. Parce que c'est un harceleur. Oui, y en a qui le disent. On déteste Gaston parce qu'il harcèle euh, Belle. Pas juste parce qu'il est beau gosse, mais parce qu'il harcèle Belle. T'as pas vu le film He eats a lot of eggs. Ben non. Non, on lui reproche pas d'être costaud et de manger des œufs, ça on s'en fout. Le problème c'est que... Il utilise ça comme réseau pour euh, forcer euh, Belle à se marier, quoi. Is that his crime? What non a... Non, c'est pas ça son crime, son crime. Tu sais ce que c'est le harcèlement Évidemment qu'il sait pas c'est quoi euh, le harcèlement sexuel. He done wrong? It's not right. Il a harcelé Belle et a invoqué sa passion pour la lecture. Mais f... putain, mais euh, t'as pas vu le film Pour une femme L'extrême montre exactement pourquoi Gaston est l'homme le plus con du monde et toi tu l'écoutes, t'es genre « Non, je vois pas de raison de le détester. Il, il, a, il a dit que c'est mal que les femmes aient des idées en lisant des livres. » Je sais... Propagande anti-Gaston, mais putain, mais... Mais mec, tu me, tu, euh, le mot « propagande » veut plus rien dire avec toi, quoi <laughs> Ça veut plus rien La propagande en dit Gaston! Oh là là! Oh mais putain, mais. Ce mec, il regardait Star Trek, il serait du côté des Borg. Bah, on l'a vu qu'il regarde Star Trek apparemment, donc, euh, fort probable. Hein. Il harcèle, insulte, agresse, et on voit pas où est le problème. Ouais, en plus, il montre les extraits, quoi! C'est trop... C'est pas possible, quoi! Ça. Mais même en c'est clair qui est le véritable protagoniste, oui c'est clair pour Tout le Monde sauf Toi apparemment, parce que le protagoniste c'est Belle C'est Belle l'héroïne du film <laughs> C'est elle justement euh, qui, euh, qui affronte des dangers pour sauver son père, qui fait un sacrifice et tout, euh, et qui finit par voir la bonté dans la bête et tout, c'est... On voit tout de son point de vue pratiquement et tout, mais... <laughs> ...cast on early in the film. What a pleasant surprise. Right He's dressed to the nines, he visits Belle to propose... Euh, Non, non, non. Il, il vient pas voir Belle euh, pour lui proposer sa main. Il vient voir Belle pour qu'il qu se marie tout de suite. Littéralement, il a même pas demandé son avis là-dessus. <laughs> il y a littéralement le prêtre et les invités qui attendent dehors. Non, il lui propose pas de l'épouser. Il la force à l'épouser. T'as pas vu le film <laughs> Il veut la violer. C'est presque ça, oui. Mais on, on, comme c'est un film Disney, on va pas jusque là. Mais euh, ouais, on, il la force à l'épouser, à faire des trucs quoi. Justement, c'est pour ça que c'est un méchant et lui, il comprend pas ça. Le... Encore une fois, ce mec fait toute une propagande transphobe en disant euh, que les personnes trans sont à danger pour les femmes cis parce que oh, ils pourraient aller dans, dans la salle de bain euh, et dans, dans les toilettes publiques et tout euh, en, en utilisant leur privilège de femme et abuser d'elle et tout. Et de l'autre côté, il voit un mec cis abuser d'une femme et il voit pas le problème. Vraiment quoi! Ça montre vraiment que ton problème c'est pas euh, les criminels sexuels, ton problème c'est les trans! Sinon, euh, les, les gens ils ont le droit des criminels sexuels à t'écouter quoi! Il a dit vouloir 6 ou 7 enfants euh, en plus! Oui voilà! Donc il avait l'intention de la baiser 6 ou 7 fois quoi! <laughs> marriage and nuclear family. Tradition value euh, starter pack euh. Bien sûr, hein, euh, C'est traditionnel, donc il a forcément raison. Et donc pour toi, les valeurs traditionnelles, c'est la barbe, donc il a déjà perdu parce qu'il a pas de barbe. Euh, hard work, c'est pas du tout un truc de masculinité toxique qui fout en l'air des mecs, hein, le travail dur. Cigarette, meurt du cancer, alors Vas-y, vas-y, fume-le, ton cigare de merde Euh, les, les bagues... Pff, je... Encore une fois, il y a quelqu'un qui avait demandé s'il avait une femme et des enfants, je crois que oui, mais euh, imagine s'il en avait pas, quoi Les muscles, bah... Mec, euh, c'est pas cool pour des gens qui ont des problèmes physiques et qui n'ont pas forcément le, ce qu'il faut, quoi. Le... C'est deux fois le même Tu montres le, le truc pour se faire les muscles et tu montres les muscles, ça revient au même. Et l'argent, ah oui, bien sûr. Parce que euh, ceux qui ne gagnent pas euh, 400 000 dollars par mois, c'est pas de vrais mecs. Va te faire foutre. L'appareil, là, là c'est deux fois le même. Hard work, hard work. Voilà. Et la Bible. À quel moment on voit que Gaston est chrétien à quel moment on voit qu'il est chrétien, sérieusement Et puis, euh, qu'est-ce qu'il fait comme boulot à part chasseur Et Puis il est pas riche Il vit dans un village à la con <laughs> Parce qu'il faut être religieux pour se marier Oui, apparemment, il est pas au courant <laughs> Gaston, il lit la Bible, il est là. De... Elles sont où les images Bah oui, il y a ça aussi Le mec, il sait pas lire Le mec, il comprend pas l'intérêt de lire, donc du coup, il... il lit pas la Bible Il est débile, lui <laughs> Le prêtre bah... Du coup, ça revient au même avec les bagues, en fait. Oh la vache, Gaston est pas militaire Alors, il est militaire dans le remake, dans le, euh, dans le premier film Disney, il est chasseur, donc forcément il est de son côté. Gaston est le gros poisson dans un petit étang, ouais, voilà, ce, est... <laughs> ce, Gaston est sûrement moins riche que la bête, oui, voilà Donc euh, si euh, la richesse et tout, euh, c'est important, bah du coup, la bête est la raison, quoi, surtout que la bête, elle a plus de barbe, la bête euh, a... comprend le concept de consentement et l'épouse convenablement, du coup, la bête est fort, aussi, voilà euh, la, la bête il fume pas de cigare parce qu'il est moins con que toi Et la, la bête c'est littéralement de la royauté Donc il sera toujours plus riche que Gaston quoi Et euh, pour le travail dur ben il a travaillé sur lui même Tu vois il s'est fait de la remise en question et tout Ce qui est quand même un meilleur travail Un travail beaucoup plus dur que juste chasseur quoi mais son temps se velu et fait sa célébrité! <laughs> la bête est méga plus musclée que Gaston. Bah oui, en plus, il le bat avec sa force, quoi! Il fait, il fait un discours pour la, les traditions de la famille nucléaire, mais. Mec, c'est la France au Moyen-Âge, le concept de famille nucléaire n'a aucun sens! <laughs> we'll have six or seven. Dogs? No, Belle. Strapping boys like voilà, donc là, encore une fois, une scène où clairement Belle veut pas coucher avec lui, et lui, il parle déjà du nombre d'enfants qu'ils vont avoir. Encore une fois, il voit pas le problème. <laughs> oui, mais s'il veut vraiment une famille et tout, qu'il se trouve une autre nana. Attends, il y a trois nanas qui sont à ses pieds, euh, euh, les, 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 les triplettes là, qui, qui participent à la, à la chanson de Gaston là justement. Que s'il veut vraiment euh, avoir une femme, bah, qu'il se marie avec elle, parce que elle, au moins, elle veut. Tu vois, le problème, c'est pas qu'il veut se marier. Le problème, c'est qu'il veut se marier avec quelqu'un qui veut pas se marier avec lui. C'est ça le problème qu'on lui reproche. Mais elle a raison au bout d'un moment. Bien sûr qu'elle qu lui refuse. Pourquoi elle accepterait si elle l'aime pas Encore une fois, il y a d'autres nanas qui seraient d'accord pour prendre sa place. Tant qu'à faire qu'il aille voir ces autres nanas. La raison pour laquelle il devient méchant, c'est que justement, il prend mal que Ben lui refusait. La seule raison pour laquelle il veut Belle et pas les autres, c'est parce que Belle l'a refusé. Ce qui montre que c'est un gros connard possessif, en fait. Ça Il n'y a pas un seul truc où il a raison, en fait, Gaston. Mais bien entendu, euh, moi, moi, pas comprendre ce que c'est le harcèlement sexuel, quoi. De toute façon, Belle mérite mieux que Gaston. Largement, oui. Honnêtement, le fou vaut mieux que, euh, que Gaston, là. À l'époque, le mariage d'amour, c'est assez rare. Oui, mais même. <laughs> Total humiliation. Surtout que oui, maintenant que tu, tu viens de lancer le, le sujet de... À l'époque, le mariage, c'était pas pour, euh, pour forcément pour l'amour. Bah oui, mais du coup, il devrait essayer d'épouser quelqu'un qui soit euh, bien fortuné. Et euh, Belle, elle est pas plus fortuné qu'un autre, je pense, hein, surtout qu'il n'arrête pas de se moquer du fait que, que son père, euh, il est nul pour faire des inventions et il arrivera à rien et tout, et euh, en plus, il essaye d'envoyer son, son père à l'hôpital psychiatrique à un moment, donc euh, du coup, elle a, elle a pas de dette, elle a pas, euh, pas de dette, euh, non, bien sûr qu'elle a pas de dette, non, mais je veux dire, elle a pas de dot ou quoi, quoi, elle a pas de titre de propriété ou quoi que ce soit qui pourrait intéresser quelqu'un qui voudrait l'épouser pour autre chose que l'amour, quoi. Donc, euh, non, là, c'est vraiment juste parce que euh, ah, je veux elle parce que les autres ne veulent pas, c'est littéralement la seule raison pour laquelle Gaston veut l'épouser. Ouais. il to, to rescue this woman. il veut toujours risquer sa vie pour sauver cette nana la sauver de quoi il a littéralement enfermé belle pour aller tuer le, le mec dont elle est amoureuse en quoi elle la sauve en quoi il la sauve c'est bah, lui qui s'est humilié tout seul? C'est pas ça, c'est pas de la faute à Belle si Gaston est un gros con qui comprend pas que non veut dire non aussi. And how did Beauty end up in that situation Comment elle s'est retrouvée dans cette situation en se sacrifiant pour sauver son père, ce qui en fait une, une personne beaucoup plus morale et euh beaucoup plus tracé On peut même dire qu'elle respecte mieux les, les traditions de patriarche justement parce que c'est sacrifié pour sauver son père quoi. Parce que son père est considéré comme plus important qu'elle quoi. Yeah, she initially went to the beast castle to save her dad or whatever, I think. Oui, merci de démontrer à la façon dont il résume ça que tu t'en fous de la partie qui montre que belle a raison quoi. She had many opportunities to escape after that point. Oui, mais c'est une bonne personne qui Va sauver de. Là, tu de faire passer Gaston pour un mec en or parce qu'il va sauver Belle alors qu'elle a humilié, mais de l'autre côté, tu traites Belle de connasse de vouloir sauver son geôlier alors, euh, alors qu'il qu vient de lui sauver la vie. Mais décide-toi, quoi, au bout d'un moment. Oui, justement, cette scène que tu montres, ça montre qu'elle hésitait, qu'elle avait envie de se tirer d'ici, mais elle pouvait pas laisser tomber la bête parce qu'elle venait de lui sauver la vie. In the prison, cell, and then she's invited to dinner. Oui, Mais elle a tenu une promesse. Tu vois, c'est un truc qui se passe aussi dans, dans le deux où justement euh, non, je peux pas sortir pour aller chercher un sympa dans la forêt parce que euh, j'ai promis euh, au maître de elle respecte sa parole pour la sûreté de son père aussi quoi, merde. <laughs> Belle et horrible de sauver un être vivant. Ouais, voilà, on en est là quoi créature non humaine qui... Bah ben si, c'est une créature humaine qui a été transformée après. T'as même pas compris l'intérêt de la Belle et la Bête, du fait de... d'aimer quelqu'un malgré son apparence... Euh... It looks kind of like an evil water... Oui, merci, t'es tellement un gros con au cœur de pierre que tu comprends pas la beauté d'une nana qui tombe amoureuse d'un homme malgré sa, son apparence. T'es à ce point de... Très, euh, médiatique, quoi. Tu... Elle s'en doutait. Elle s'en doutait. Elle a vu le portrait dans, dans sa chambre, elle se doutait de ça. Et puis même, elle s'entend quand même bien avec lui parce que euh, malgré tout, tu vois, euh, la règle de Jack Harkness, là, euh, si la personne euh, est capable de communiquer et qu'elle est consentante, au bout d'un moment, qu'est-ce qu qu'on s'en fout que c'est pas la même espèce, quoi. Oh! No idea about that. okay? that's true. Look up on the, that's the, You can go back and watch the movie oui, et j'ai vu le film et je me souviens justement du moment où elle voyait le tableau où elle reconnaissait les yeux de la bête dans ses personnages humains, quoi. Oui, mais vu qu'il déshumanise des personnes trans qui sont des humains, alors un homme transformé en bête, ouais, voilà, ouais, forcément, euh, humain, ça dépend de qui, hein, selon lui, hein. She never is aware of that fact. Visible des appointments. Non, elle est pas déçue. C'est pas un visage de, de déception. Justement, elle est genre, mais attends, mais je te reconnais. Même pour lire des expressions faciales dans un dessin animé, un truc où les expressions faciales sont justement ex ex exagérées pour qu'on les comprenne encore mieux, même sur ça, t'es nul T'es nul pour lire des expressions faciales de personnages de dessin animé Mais sérieux Elle est surtout en mode, mon Dieu, tu es vivant, oui! Et au début, elle est genre, mais c'est qui lui? Et elle commence à lancer le regard de, mais attends, mais je reconnais ses yeux, justement! T'as just of... pas compris un film Disney, quoi! T'es débile à ce point! <laughs> so as as she she en of of oh, quoi c'est mal? Être amoureux de quelqu'un d'une autre espèce, en quoi c'est mal Tu vas dire que Mass Effect c'est mal Tu vas dire euh, que les personnages de, de Star Wars sont en tort de vouloir coucher avec des, euh, des aliens ou quoi euh, T'es fan de Star Trek, euh, la série où le Captain Kirk a pratiquement baisé avec toutes les espèces aliens, un minimum capable de communiquer euh, poliment quoi <laughs> Est-ce que t'es en train de dire que le Captain Kirk est un gros con et un euh, dégueulasse Le test de Harkness Exactement Le test de Harkness il marche complètement sur la bête au bout d'un moment, on s'en fout quoi <laughs> Il a littéralement coupé le, le moment où elle se rend compte, et sourit. Oui, voilà euh, Oh, mais elle a pas l'air heureuse de voir euh, la bête redevenir humain T'as littéralement pas montré la scène où elle est contente de voir que c'est bien la bête <laughs> Justement, les gens ont plus tendance à critiquer le fait que « Ah, j'absente de coucher avec eux à partir du moment où il est humain, quoi <laughs> !» Yeah, that's a simple fact. Oui, mais tu, euh, c'est pas mal de vouloir coucher avec. eux Si c'était un animal, quelqu'un qui sait pas communiquer ou quelque chose là, oui, ça rentrerait pas parce que euh, de ce qu'on en sait, c'est de l'abus euh, sur un autre être vivant. Mais euh, si c'est quelqu'un qui communique et qui est consentant, pas de souci. Really ouais, bah, euh, de ce côté. Euh... Tu peux aussi dire que Gaston, il est con de ne pas avoir compris que, le, euh, que la bête était un prince, alors qu'il vit dans un château euh, clairement de, de la royauté, quoi. <laughs> non, à aucun moment Gaston ne pense que euh, la belle a été enfermée par, par une bête, tu vois. À aucun moment il ne pense ça, parce que quand euh, le papa vient dire Oh mon dieu, une bête a volé, a kidnappé ma fille, il se fout de sa gueule. Il se fout de sa gueule il dit euh, « Non, t'es juste fou, se rentre chez toi. Eh, hey, je vais en profiter pour comploter contre toi et t'envoyer à l'hôpital psychiatrique pour euh, que Belle soit dépendante de moi, quoi. » Genre, bien sûr, tu vas pas montrer ce parti-là parce que euh, là, il est indéfendable, Gaston. Mais aussi, euh, pff, quand il découvre que la bête existe, Belle est libre. Belle n'est plus emprisonnée. Genre, t as, t as, bon, tu montres pas un seul extrait du moment où il se rend compte que la bête existe, justement parce qu'à ce moment-là, Belle, elle est pas prisonnière et du coup, ton argument, il marche plus, quoi ce vieux fou de Maurice Exactement Oui, 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 tu montres une scène où justement il la prend pas au sérieux. Et le seul moment où il prend ça au sérieux, c'est quand Belle est libre. Et où Belle dit que c'est quelqu'un de bien, la bête. T'as loupé cette partie-là, hein rallies la malhonnêteté du mec, le mec il fait, il, il monte les deux passages comme si Gaston avait déjà mené euh, les, tout le village euh, au château euh, dès que le, le père avait... Euh... Non Tu mens C'est du putain de mensonge volontaire là Tu réécris le film là Ta réécriture est pire que celle du remake Disney là non, littéralement, il vient d'enfermer Belle dans, 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 un, dans un truc là. Elle vient d'enfermer Belle dans, le, dans, dans sa cave ou quelque chose comme ça. Non, dans son, euh, son sous-sol. Elle vient, littéralement, il a, il a rendu Belle prisonnière quoi. Le mec qui a essayé de buter la bête même quand Belle lui disait d'arrêter. Oui. qui La bête qu'il, à un moment, l'avait épargnée. Oui. Le arrête de mentir, tu mens Tu es un putain de menteur de merde, mais c'est incroyable quoi! And the monster who kidnapped a young woman is supposed to be the one we're rooting for? Oui mais euh, Gaston aussi kidnappe Belle il a enfermé contre son autoris contre son gré aussi. Oh, euh, on est censé être du côté de la bête alors qu'il a enfermé. Oui, mais c'est pas comme si on montrait que la bête avait raison d'enfermer euh, Belle. Justement, même oh, la bien. bête, il regrette de l'avoir enfermé. Il a des regrets et tout. Azure Origin, merci pour tes dix euh, bits. Putain, le gars, il est du niveau du méchant de Belle de Osoda à s'inventer toute une histoire sur le monstre pour rester dans son héros de régulateur sauveur qui a raison quoi. Oui, exactement quoi. <laughs> le mec, il réécrit le film pour, se, pour donner raison à Gaston quoi. <laughs> That's just wrong. C'est toi qui as faux. C'est est toi qui es wrong là sur ce coup. Tu, pas seulement moralement, mais aussi factuellement, tu as faux sur tout quoi. Ferme ta gueule. And I won't stand for it. Et je tape sur mon ordinateur. C'est fou. Euh, ça montre que j'ai des convictions. Ferme ta gueule. T'as une conviction que le méchant Disney avait raison, euh, gros con va. Oh, retourne à l'école quoi. So, thank you for spending 10 minutes. Non mais ce mec, tu vois c'est euh, le porte-parole de l'extrême-droite américaine. C'est Ce mec, il essaye de te faire croire que ce qu'il dit, c'est la vérité factuelle. C'est ce, la représentation d'un de, de, gros mouvement de transphobie. Et le mec, il est tellement con qu'il comprend pas un film Disney, et qu'il va jusqu'à changer l'histoire d'un film Disney pour se donner raison, quoi. Tu crois vraiment que ça va passer, mec les, Mec, les gens, ils ont plus vu la belle et la bête qu'ils ont vu ton documentaire à la con. Et ils vont savoir que tu mens! C'est du suicide! Ah non, mais. Euh, retourne à l'école ou devrais-tu dire, vas-y pour la première fois de ta vie? Ouais, voilà! C'est impossible qu'il soit allé à l'école! À tous les coups, ce mec, c'est le produit euh, de l'éducation à domicile, là! Les gros cons euh, qui voulaient que leurs gosses restent à la maison à apprendre euh, les trucs selon leurs convictions et pas euh, selon les, les faits qui les dérangent politiquement, quoi! Pinocchio, je vois ton nom qui, qui s'allonge, il faut arrêter. Oui, voilà, c'est totalement ça, quoi. Devrait regarder euh, Pinocchio et dire, euh, oui, en fait, Pinocchio a raison d'être un gros con qui ment tout le temps. Euh. <laughs> Les seuls qui, veulent être, qui vont être d'accord, c'est ceux qui avec euh, zéro esprit critique. C'est ceux qui n'ont pas vu le film surtout. C'est ça qui est dingue. Euh. <laughs> et du coup, euh, ça veut dire que La Belle et la Bête de Jean Cocteau est woke aussi parce que le personnage de Gaston, c'est pratiquement une reprise un, de l'antagoniste de La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Hein. C'est Jean Cocteau qui a inventé le, le concept de Gaston un peu. Hein. Donc euh, euh, ça veut dire que les Français faisaient des films woke, genre dans les années 50-60. Voilà, c'était quand déjà La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Euh, voire même ceux qui sont analphabètes ne pensent pas que, euh, comme lui. Ouais, voilà, parce que euh, les gens analphabètes ils ont vu le film, ils ont compris le film au moins. Hein. Le film de Jean Cocteau est juste magnifique. Je confirme, si vous n'avez pas vu euh, la version de Jean Cocteau de La Belle et la Bête, regardez-le, c'est magnifique. Allez, 30-40. Ok, on est 30-40. Oui, la France est woke. <laughs> on est tellement woke que même les pédophiles ont le droit de, de, de faire des films chez nous. <laughs> si tu n'es pas woke, tu n'es pas français. <laughs> euh, si seulement, si seulement. Et, euh, et Avenant, dans le film de Cocteau, il est surtout euh, avare, il est pas con. Euh. Oui, voilà, il y a ça. Là, par contre, je, de ce que je me souviens, ouais, il y avait une histoire de... Il veut épouser Belle bah, à cause de la dot ou quelque chose comme ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu, le, le Jean Cocteau. Faudrait que je le revoie, voilà. Surtout que là, j'ai un pote à qui j'aime bien montrer des, des films qu'il a jamais vus, là. Donc euh, lui montrer Jean Cocteau, ça devrait l'intéresser, surtout qu'il euh, aime bien le cinéma français. Truc à pas oublier, analphabétisme et illettrisme ne veut pas dire stupide. Exactement, oui. Mais tu vois, il y, y a un petit peu ce terme qui commence à tourner sur Twitter qui s'appelle euh, euh, l'illettrisme médiatique. Voilà, c'est des gens qui essayent d'analyser des films sans réellement comprendre ce que raconte le, le film, tu vois. Et euh, je sais pas si c'est dû à la stupidité ou juste de la mauvaise foi, mais voilà quoi. Il y avait même un proto-le-fou avec Ludovic chez Cocteau. Oui, je me souviens qu'il avait un mec qui l'accompagnait, ouais. Et s'il regarde Alice au Pays des Merveilles, il va traiter euh, Alice de grosse conne et dire que tous les autres ont raison, bien sûr. Ah bah évidemment quoi. Il remet en question l'autorité de la reine, hein, quelle connasse mmh. Ah décidément les héros ils arrêtent pas là. <laughs> Donc euh, voilà c'est du ré le révisionnisme. Oui voilà c'est complètement du révisionnisme de le mec il fait exactement ce que tous les anti reprochent au woke de justement euh, se plaindre que les films de notre enfance euh, sont pas moralement acceptables et tout. Mais lui il a le droit. Tu vois, lui il a le droit de remettre en question les morales des, des films Disney, quoi. Euh, alors que les woke eux, quand ils le font, c'est oh, ils sont chiants, arrêtez, c'est juste des films et tout. Euh, lui, par contre, il a le droit. Euh, <laughs> Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Là, je pense qu'il va juste. Euh... Ouais, voilà. Euh... Regardez, j'ai eu template pour mon truc. Regardez, je suis trop impensif, et je comprends pas un film Disney, quoi. <laughs> Donc voilà. C'était, bah on a rempli euh, de presque deux heures, hein, tant, tant ça allait pas, euh, ce truc, ouais. Donc voilà, c'est Matt Walsh, c'est euh, le mec que Elon Musk euh, croit aveuglément par rapport à son opinion sur les personnes trans. <laughs> donc voilà, euh, les transphobes, ils sont au niveau de moi pas comprendre pourquoi Gaston, c'est le méchant de la belle et la bête, quoi. <laughs> en même temps, c'est tiré d'un conte d'une autre époque, ouais, voilà, ouais, c'est... Il faut prendre en compte un petit peu les, les, les époques et tout, donc... Euh... Alors, lequel des cinq est le pire exemple, tu dirais Oh, Gaston Largement, parce que Gaston, il est obligé de mentir Tu vois euh, Les autres, il est obligé d'inventer de, de, un truc en dehors du film pour essayer de justifier Mais Gaston, non seulement il ment, mais en plus il essaie de justifier que euh, Belle, elle est conne de pas vouloir épouser quelqu'un qui lui force, quoi <laughs> Y a rien à dire, Gaston le pire Ouais, voilà Bah, justement, c'est pour ça que c'est un si bon méchant, justement, ce qu'il fait, c'est horrible Justement, mais en même temps, il est un petit peu rigolo à voir parce qu'il se fait humilier et tout. Il est un petit peu remis à sa place régulièrement. Et... Euh, et <laughs> hein, c'est triste leur vie. Ouais, voilà, franchement... Euh, si leur modèle de vie c'est Gaston dans la belle et la bête, euh, ils vont pas s'en sortir, quoi. Je sens que le mec va dire que Mère Goffel, dans Réponse, c'est une bonne mère. Oui, sûrement. Sûrement, ouais, euh, elle a trop raison de vouloir exploiter le pouvoir de, de la fille euh, qu'elle a kidnappée et tout, euh, <laughs> donc voilà, euh, j'espère que ça vous a plu, je sais pas si on en fera d'autres, hein, de, de, des comme ça, parce que, euh, tu vois, je, je voudrais éviter de faire des, euh, ce genre de vidéodrama euh, sur des francophones, je préfère rester sur les américains pour éviter qu'ils aient... Parce que je me doute que vous n'allez pas aller emmerder un mec qui parle pas la même langue que vous. Donc euh, au moins il y a cette protection-là. Mais je vais éviter de faire ça avec des, des analyses nulles comme ça en France. Parce que. Voilà, quand j'ai pas envie d'encourager euh, des attaques contre eux euh, de cette façon-là. Mais euh, voilà, si jamais je trouve d'autres sujets comme ça... De vidéos anglophones de, de crétins de ce genre. Euh, peut-être qu'on fera un truc comme ça. Mais sinon, pour la prochaine fois, je pense qu'on retournera un petit peu sur des jeux ou peut-être des films aussi. Il faudrait que je trouve des films euh, intéressants à critiquer là-dessus. -là voilà, des films libres de droit, de préférence aussi. Mais, mais voilà, quoi. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Euh, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Et ben, je vous dis à la semaine prochaine. On fera sûrement un autre live sur un jeu. Euh, là, euh, j'hésite. Soit je fais. Le DLC de Kinomars 3, parce que là maintenant je l'ai à disposition. Euh, et euh, je crois que lui aussi il est redoublé en, en VF par euh, le, le, le mode qu'on avait fait la dernière fois. Donc ça peut être sympa de le faire. Euh, Peut-être que je vais faire... Euh... Là dernièrement je me suis procuré Black Sad. Le jeu Black Sad qui a, a l'air d'être un jeu narratif comme j'aime bien. Et euh, j'ai bien envie de tester parce que j'aime bien la BD Black Sad et tout. J'aime bien l'univers. Donc ça pourrait être intéressant. Ou d'autres jeux. Voilà, il y a d'autres jeux en réserve bien sûr. Euh, le Kinomar, ce jeu musical aussi, je l'ai un petit peu testé, euh, j'ai trouvé un petit peu chiant, mais ça peut toujours faire un live sympa, on va dire, ouais, donc euh, voilà. Et rappelez-vous, soyez woke, exactement. Remettez-vous en question, ne, ne laissez pas les traditions euh, contrôler votre vie, et soyez toujours euh, euh, aux aguets euh, par rapport aux injustices de, de notre société, ouais. Je suis plus intéressé par ce Black Sad. Ouais, ouais, bah moi aussi j'ai bien envie de voir ce que ça vaut comme jeu, parce que de ce que j'ai vu, ça a l'air pas mal comme jeu narratif, c'est euh, peut-être... Euh, ça révolutionnait peut-être pas le genre, mais ça a l'air sympa. En tout cas, je vous dis bonne soirée à tous et à la prochaine sur Twitch, YouTube, etc. Allez, ciao tout le monde